Voie 4, veuillez vous éloigner de la bordure du quai en prenant garde du TGV 6180 2900. Départ initialement prévu 20h01. Pour votre sécurité, veuillez vous éloigner de la bordure du quai. Dans quelques instants, c'est quoi qui dit ? Une émission en direct, présentée par Adrien D. Au programme, distribution Linux, administration, tutoriel, logiciel libre et astuces. Tous les premiers mercredis du mois, en direct, à 20h. Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 2 mars 2022 et nous sommes en live. Ouais, pour un petit c'est quoi qui dit. Ça vous dit ça? Eh ben ouais, ça vous dit. C'est déjà le 54e c'est quoi qui dit depuis qu'on fait ces lives. C'est un truc de fou. J'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, s'il fallait qu'on se la fasse en mode comique, je pourrais presque faire Linuxien, Linuxienne, d'outre-mer et de métropole. Voici le C'est quoi qui dit numéro 54 ouvert. Bon, sur cette petite blagounette, on écoutera presque notre président Adbo à dire. Je souhaite à saluer tous ceux et celles et ceux, qui sont déjà là sur le live, à savoir Benjamin, Alan, Anastas, Aneruption, Eternan, Far, Kabiel, Amédie, on a Calimo, oh là là, c'est difficile, hein, dès le matin, dès le soir, hein, oh là là, Adrien, il va dérailler, là, hein, Nightbond, Sleipnir, Xavier, Yasser, et puis, on a d'autres personnes qui sont là, que j'ai, j'espère, pas oublié. Xavier, j'ai dit bonjour, là, je sais plus, bon, en tout cas, c'est réparé, si j'oublie des gens. Olivier, bienvenue à toi. Alors, ça fait 28 jours qu'on s'est vus, hein, c'était le 2 février, et maintenant, on est en mars et on va parler un petit peu Linux. On va parler logiciel libre. On va attendre que les gens arrivent tranquillou. Salut, ICT Lab, John Doe qui est dans le coin aussi. Bienvenue, bienvenue. Alors, j'ai pas évidemment eu le temps de préparer quelques petits sujets particuliers, mais j'ai une idée en tête sur un sujet bien défini. J'ai pas encore contacté la personne. Mais je pense que ça peut être intéressant. Hein. Ce sera probablement un créateur d'une distribution Linux que je n'ai jamais présenté sur la chaîne. J'ai du mal un petit peu à voir l'objectif pour moi. Mais je vais potasser peut-être le sujet, je ne vous en dis pas plus, et essayer de contacter la personne pour voir si elle serait dispo pour faire un petit live avec moi. C'est une distribution Linux qui n'est pas vraiment généraliste, hein, qui est orientée sur une thématique bien particulière. Hein. Je ne vous en dis pas plus, parce que je ne sais pas d'avance si ça va se faire ou pas. Hein. Donc je ne veux pas vous vendre du rêve si jamais ça ne se fait pas. Salut JR Dallas qui arrive. Alors, en un mois, il s'est passé 2-3 petits trucs. Je vais profiter de vous annoncer à travers ce live, mais je pense que je ferai un petit
petite vidéo particulière sur le sujet. Mais pour ceux qui me suivent sur Telegram, vous avez c'est nouveau. Alors, je vais vous mettre le lien ici. Vous avez la possibilité de rejoindre, si vous le souhaitez, le canal Linuxtrix Annonce, qui est un canal dans lequel vous ne pouvez pas parler, mais vous recevez uniquement des annonces directement. C'est un petit peu comme un flux RSS version Telegram. Et donc, ça vous permet d'être tenu au courant par une notification, si vous le voulez, à chaque fois qu'un live sort ou une vidéo sort ou un article sur le site est modifié ou ajouté. Voilà. Donc ça vous permet de vous tenir au courant de ce qui arrive. Donc si vous êtes sur le canal Linuxtrix Telegram, je mettrai un petit mot également. Mais voilà, vous avez la possibilité de vous abonner à ce canal. Donc là, c'est bien un canal, il n'y a que Linuxtrix qui peut parler. Et vous pouvez regarder ce qu'il y a, cliquer sur les liens et éventuellement réagir sur les messages. Voilà. Kevin Chevrol, créateur de Kaizen Linux. Ah, ça peut être une bonne idée, ça aussi. Je ne sais pas. Pourquoi pas? Je note dans un coin. Peut-être c'est celle-là dont je voulais vous parler. Je ne sais pas. On ne sait pas. On verra. Par contre, Kaizen Linux, je ne la connais pas du tout. Enfin, juste deux noms et je vais tester vite fait. Donc voilà, ça c'est pour la petite partie Telegram. Telegram que je vais quitter, hein, juste pour éviter d'être spammé le temps du live. Hop là, donc je démarre le navigateur web qui va bien pour vous parler un petit peu des sujets que j'ai envie de vous parler. Et puis on fera un échange comme le mois dernier de questions-réponses. Si ça vous intéresse, là-dessus, on peut... répondre aux questions. Si vous en avez, c'est le moment d'échanger. Alors, pour répondre à Benjamin, je n'aborderai pas sur YouTube d'avis, de position à propos de ce qui se passe en Ukraine et en Russie. La seule chose que je peux vous dire, c'est si vous êtes utilisateur de Calculate Linux, on peut se poser des questions puisque Calculate Linux est une distribution russe. Et donc j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec Alexander comme je le fais régulièrement, et je lui ai demandé son avis par rapport à Calculate Linux et qu'est-ce que ça peut changer le fait d'avoir une distribution russe. Sachant que, qui dit distribution russe dit peut-être qu'on peut s'inquiéter. Donc en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Calculate, c'est une société russe, certes, mais qui fait une distribution Linux pour ses propres besoins à l'origine. Hein. Donc, ils ne vendent pas la distribution. Ils ne font pas de business, hein, de bénéfices et d'argent sur cette distribution. Et sachez que tout le code source du projet est ouvert et disponible sur GitHub. Donc forcément, tous les utilitaires Calculate, vous avez accès au code source directement sur GitHub. Donc ça, le code est transparent, il n'y a pas de souci. Et après, Calculate Linux, c'est ni plus ni moins qu'un réempaquetage des logiciels présents chez Gentoo en version binaire avec les useflags par défaut. Et donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter de cela, d'utiliser cette distribution russe. Si vous êtes un peu sceptique, vous pouvez toujours consulter le code source des utilitaires Calculate sur le GitHub du projet. Et comme ça, vous pourrez constater, si vous en avez les compétences, qu'il n'y a pas réellement de souci de ce côté-là. Voilà. Donc ça, c'est juste la petite parenthèse que je pouvais faire, puisque je suis un petit peu impliqué dans le projet Calculate. Et vu que c'est une distribution russe, bon, je souhaitais faire un petit éclaircissement là-dessus. Voilà. Salut à Benjamin Faux qui arrive, Geoffroy qui arrive également. Anastas, penses-tu qu'il y a un risque que la Russie puisse se déconnecter d'Internet ? Oui, il peut y avoir un risque.
Mais de toute façon, il y a des VPN par-ci par-là, il y a des réseaux qui sont toujours là. Donc même si la Russie fait de la censure au niveau des gens qui sont en Russie, il y a toujours des services qui sont hébergés en Russie, qui sont accessibles depuis l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite parenthèse. Et donc, on va revenir rapidement donc, sur un truc. Je savais pas vraiment si je voulais en parler. J'ai juste mis un petit message. J'ai juste mis un petit message sur YouTube et sur Twitter pour ceux qui éventuellement se posaient des questions en disant oui, parce que j'ai eu plusieurs fois hein, les réflexions, oui, Adrien, il se fait de l'argent avec des vidéos, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que derrière la chaîne YouTube, hein, pour être dans le droit d'être dans la légalité, quand vous avez des revenus qui soient en provenance de YouTube, qui soient en provenance de Twitch, qui soient en provenance de peu importe d'une activité, dès que vous générez des revenus en France, vous devez les déclarer. Et dans le cadre de mon activité de YouTubeur, je déclare cela grâce à une auto-entreprise. Pour ceux qui m'ont répondu sur le fil Twitter, hein, j'ai spécifié ça. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les revenus qu'on obtient, l'État en prend une petite partie, voire une bonne partie. Vous voyez, donc ça, c'est la déclaration de janvier 2022. Donc, tous les revenus de janvier 2022... sont déclarés donc sur le portail de l'URSSAF. Et donc vous voyez que au niveau des taxes et des impôts, hein, l'État au niveau de ce qui va être revenu YouTube va prendre 22%, et puis on a 2,20% qui sont faits ici dans cette case là et il y a à nouveau 0,20% qui sont prélevés ici. Donc grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a sur son tableau de bord de la chaîne, waouh, génial, mode sombre, quand on a sur le tableau de bord de la chaîne un revenu qui est estimé ici, il faut compter que 25% environ, donc un quart, passe directement dans les poches de l'État français. Voilà. Donc ça, c'était une petite clarification que je voulais vous faire en live. C'est vrai que j'ai jamais spécialement montré ces revenus. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai toujours dit, hein, YouTube est une activité secondaire. J'ai mon job, j'ai mes activités, et la vidéo, c'est vraiment de la passion. Et donc, vous voyez que sur les 28 derniers jours, donc comptez grosso modo que par mois, hein, les vidéos, c'est extraordinaire, hein, ça rapporte énormément. On est à 260,78€, donc vous enlevez 25% de cela et vous tombez en gros sur les alentours de 200€ par mois. Donc c'est quand même pas extraordinairement élevé, hein, sachant que les vidéos ne sont quand même pas des vidéos qui ont 200 vues. Mais si on prend la moyenne de vues, alors bon, il y a des grands statisticiens qui vont pouvoir le faire éventuellement. Mais vous voyez que une vidéo, ça oscille entre 2000 et 4000 vues, sauf quand il y a des sujets un petit peu spécifiques qui ne vous intéressent pas. Mais bon, voilà, même des vidéos qui cartonnent un peu plus sur la chaîne de l'ordre de 14 000 vues, bon, bah vous vous rendez compte qu'il y a de la vue quand même sur les vidéos et que finalement, on s'en tire pour cela. Sachant que dans ces revenus, où je mets des guillemets ici, il y a énormément de gens qui supportent la chaîne en faisant un don régulier. Hein, se sont abonnés avec le bouton « s'abonner ». C'est le cas de ICT Lab. Vous voyez, ils ont un petit badge de membre qui s'affiche à côté. Si vous remontez un petit peu le chat, vous voyez Amédi, vous voyez aussi Kelimo. Ils ont des petits badges et donc ces petits badges indiquent qu'ils sont membres et qu'ils soutiennent la chaîne avec une adhésion mensuelle. Et donc c'est compté dans ses revenus. Et donc par conséquent, il y a grosso modo la moitié de ses revenus qui sont dus à ses abonnements et l'autre moitié qui sont dus aux revenus publicitaires, c'est-à-dire que bon, il n'y a pas grand-chose, ça rapporte pas
énormément au vu du temps passé. Voilà, parce que quand je fais une vidéo de 20 minutes, il y a l'enregistrement, certes, il y a le montage, certes, mais avant, bon, je regarde un petit peu de quoi je vais parler, comment je vais parler, dans quel ordre. Parfois, je fais les manipulations une fois avant pour que ce soit plutôt clair dans la vidéo. Donc voilà, c'est pas, en tout cas, c'est pas avec ça qu'on peut vivre, évidemment. Voilà. J'en profitais pour regarder vite fait. Peut-on reproduire? Salut Thomas, je crois que je t'ai pas dit bonjour. Peut-on reproduire une infrastructure automatisée pour la création de VM ou conteneurs avec une interface web comme le font OVH, Google, AWS, sur Proxmox ou autre? Je ne sais pas. Derrière Proxmox, oh là là, c'est Libvirt. Je pense qu'il y a des possibilités d'automatisation. C'est pas le genre de truc qui m'intéresse le plus. C'est peut-être possible de le faire, puisque quand on est à un moment donné dans... Alors, je crois que c'est dans le data center. Non, je sais plus où c'est. Il y a un endroit où on a une option, mais que j'ai jamais souhaité regarder un peu par moi-même. Attends, que ce soit dans le stockage. Non. Il y a une option. Je sais plus comment elle s'appelle. Attends, je vais essayer de retrouver ça vite fait. Il me semble que j'ai vu une option pour faire de l'automatisation. Peut-être que la personne qui pourrait te plus te renseigner, c'est peut-être Xavki. Lui peut-être te renseigner. Parce que je sais que l'automatisation, c'est son truc. Qu'il a acquis un Proxmox il n'y a pas très longtemps sur son nuque. Il a mis Proxmox sur son nuque. Et donc, il est probable que... il est probable qu'il ait peut-être la réponse à ta question. Voilà. Et bienvenue, Samy. Donc, voilà un petit peu pour répondre à la question Proxmox. Moi, j'utilise Proxmox très... de manière très succincte. Tu vois, j'ai qu'un seul nœud ici. J'ai qu'un seul nœud. Alors, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres comme ça. Là, le swap, il se remplit à fond alors que la RAM est quand même pas spécialement remplie. Donc, à voir. Mais voilà, l'idée, c'est surtout de bidouiller, de faire 2-3 bricoles de mon côté, d'avoir des machines virtuelles, d'avoir ma petite infra, c'est d'apprendre sur des machines virtuelles. Donc, je l'utilise plutôt comme support pour héberger tout un tas de machines virtuelles, plus que d'apprendre à utiliser Proxmox. Si je veux bidouiller sur Proxmox, il y a un deuxième lien ici. C'est une machine de récup. C'est une machine de récup où il y a 16 Go de RAM, et puis dedans, je bidouille quand je veux regarder pour paramétrer Proxmox. Mais ouais, pour la partie automatisation, on voit peut-être avec Xavki. Sur LinkedIn, il est assez accessible. Je pense que sur sa chaîne, il fait des lives de temps en temps. Tu peux lui envoyer un petit message et il prend du temps pour répondre. Et ça, c'est toujours bon comme comportement. Et j'apprécie Xavki juste pour ça. Peut-être il passera faire un petit coucou. Je sais que la dernière fois, il était passé 5 minutes. Totor, qui nous dit « Est-ce que je ferai une présentation de la configuration de Xen ?» Alors Xen, c'est pas du tout un produit que j'utilise. Je ne connais pas plus que ça Xen. Donc il faudrait vraiment que je passe du temps à apprendre Xen pour pouvoir le présenter. Donc je pense pas que ce soit prévu de suite. À limite, tu vas faire des trucs sur Proxmox, pourquoi pas, parce que je l'utilise au boulot sur notre plateforme de développement. Je l'utilise à la maison. Mais après, ça va être compliqué pour moi de présenter Xen, qui est un produit que j'utilise pas du tout. Et que je connais juste de nom. Voilà. On a un petit retour d'expérience avec Burn 02 là. Yes. Avec ce swap. Donc là, bon, faut que je regarde pourquoi ça déconne, mais ça vient à remplir, je sais pas pourquoi. J'ai installé un Proxmox 6.4, je crois, hein, qui a migré en 7 depuis. Voilà. Salut à Juline. Bienvenue ici. Geoffroy qui nous dit « J'ai été utilisateur de Linux de 2004 à 2009, Gentoo. Récemment, j'ai voulu retester. Et sur la majorité des distributions, la sélection copier-coller, bouton droit ou molette n'existe plus normal. » Oui, c'est normal, entre guillemets, c'est dû à Wayland. Le serveur d'affichage Xorg permet ce copier-coller. Hein, si je lance ça, merde, j'ai créé un truc. Hop, et que là, je fais donc exactement comme toi, je copie ici, je fais molette. Hop, ça me copie-colle bien mon truc.
Ça, c'est propre à, au serveur X. Et donc, les nouvelles distributions aujourd'hui, surtout si tu testes l'environnement de bureau GNOME, maintenant, il y a un nouveau serveur d'affichage qui est Wayland. Et ce serveur d'affichage a réécrit un petit peu la partie de la gestion graphique. Et cette astuce n'est plus disponible sous le serveur d'affichage Wayland. Si tu veux en avoir le cœur net et de vérifier que tu es sur Wayland, via une console, là, tu peux taper echo $xdg session type, hop, voilà. Et si ça te répond X11, c'est que tu es sur X.org et donc ça fonctionne. Et si ça te répond Wayland, c'est que tu es sur Wayland et donc c'est normal, entre guillemets, que ça ne fonctionne pas puisque cette fonctionnalité n'est plus disponible. Je te mets dans le chat la commande, en tout cas le nom de la variable à appeler et à afficher. PowerKey, qu'est-ce que c'est PowerKey? Je connais pas l'outil. Hop, regarde, je fais comme ça. Tac, tac, tac. Et donc PowerKey, c'est une commande de VMware que je connais pas. Alors tu vois, j'utilise VMware, mais je fais pas beaucoup de PowerShell de déploiement. Après, avec Proxmox, tu peux l'administrer en ligne de commande, hein, puisque derrière c'est une Debian. Derrière, c'est aussi QEMU KVM, ou tu as des conteneurs avec LXC, donc rien ne t'empêche de. Hop là. Il y a probablement des commandes ici. LXC, tu vois là, tu as toutes les commandes LXC. Bon, celles-ci, je les connais. Et après, pour QEMU KVM, bah, QEMU. Enfin, voilà, tu as les commandes ici qui sont dispo. Donc après, si tu sais automatiser des choses avec QEMU KVM et toutes les commandes associées, elles s'appliquent. Tout à fait à Proxmox. Tu vois ici j'ai un conteneur Arch. Je vais démarrer le conteneur Arch. Ok. Donc là je me connecte. Je me rappelle même plus ce que c'est l'identifiant et le mot de passe. Bon, peu importe. Le conteneur il est là. Si je reviens sur mon Proxmox. Hop. Voilà. LXC. Ici je peux taper mes commandes. Donc LXCLS. Hop, voilà, tu vois, les conteneurs 100 et 999 sont là. Si je fais un LXC stop, je crois que c'est 999, mais comme ça, hop, mon conteneur va s'arrêter. Donc là, il est en fonctionnement. Si je reviens dessus, tu vois, is not running, c'est écrit derrière là. Voilà, okay. Is not running, donc il s'est arrêté. Donc, tu peux administrer, après, voilà, c'est... Proxmox n'est juste qu'une interface graphique, si je peux dire ça comme ça. À LXC, à QEMU KVM. Voilà. Salut, Lipton Acer qui arrive. Alors, un bug au niveau de... Attends. Qu'est-ce que tu nous dis, Samy? Merci. Ok. Un bug au niveau de NMApplet dans toutes les distributions calculées, sauf calculées KDE, parce que... Alors, si tu peux nous écrire éventuellement sur soit sur le forum, soit sur Telegram, le Telegram de Calculette, tu nous dis le souci que tu rencontres et on va regarder pour corriger tout ça. Voilà. Alors, on va peut-être pas rentrer dans les détails de Xorg et Wayland, mais si on va un petit coup chercher des infos, là, j'avais dû déjà en parler une fois. Voilà comment fonctionne le serveur d'affichage Wayland. Fonctionne un petit peu différemment. Ah non, c'est pas le truc que je voulais. Fonctionne un petit peu différemment que Xorg. Voilà. Donc avec Wayland, bon, forcément, entre Wayland et Xorg, tu as toujours les mêmes choses. Hein. Ça veut dire que d'un côté, tu as le noyau qui fait la communication avec le processeur et la carte graphique, hein, CPU, processeur et GPU, la carte graphique. Donc le noyau, lui, c'est ni plus ni moins que l'interface entre les logiciels et le matériel. Et donc après, entre ton noyau qui vient interroger le matériel et la fenêtre que tu vois affichée à l'écran, hein, quand je lance une fenêtre, bah, il y a tout un tas de composants qui sont là au milieu. Et donc on a Wayland ici, qui lui va interagir avec... ton écran, interagir avec les fenêtres. Et donc ça, c'est Wayland. Et après, au-dessus, donc ça c'est le serveur graphique, hein,
serveur graphique, parce que comme un serveur web, il donne le service d'afficher des pages web. Bon, bah, le serveur graphique te donne le service d'afficher quelque chose à l'écran. Donc là, tu as le serveur graphique et après, c'est interconnecté avec tes éventuelles applications qui reposent sur des bibliothèques graphiques. Tu vois, Inkscape, il a des bibliothèques graphiques GTK. Et donc, tu vois, tout ça est interconnecté. Donc, c'est une suite de piles. Je la fais un peu simple, mais c'est une suite de piles qui sont là. Et donc, ce serveur d'affichage-là, il est nouveau. Il prend en compte des choses un peu plus avancées et il prend en compte du nouveau matériel, des nouvelles problématiques qu'on a en 2020, 2021, 2022, etc. Puisque X.org, le serveur X1, lui, il est très ancien. Hein. Si on fait une petite recherche vite fait ici, X.org. Donc X.org, c'est un serveur graphique. Tu sais, comme il y a Apache pour serveur web, on a Nginx, on en a d'autres. Bon, bah voilà, c'est un produit concurrent, entre guillemets. Et tu vois, X.org, il est arrivé en 2004. Mais X.org, c'est une évolution de XFree86, qui lui est encore plus vieux, puisque je crois que la première version elle doit dater de 1900 quelque chose. Je sais pas si on a l'info là. Tu vois, le projet il a commencé en 1991. Donc, si tu veux, Xorg étant un fork de XFree86, et c'est pour ça que quand tu cherches des pilotes, souvent les pilotes commencent par XF86, tu vois, le pilote, si je remonte un petit peu. Pilote VESA, XF86 vidéo VESA. Pourquoi ? Parce que ça remonte à XFree86, XF86. Donc si tu veux, X.org, il se base sur quelque chose qui a été conçu dans les années 90. Aujourd'hui, on a des problématiques nouvelles, on a du matériel plus récent, et donc il y a besoin de faire une réécriture pour qu'on ait quelque chose de plus performant, mais c'est pas encore tout à fait mature. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a encore X.org qui est là. Alors j'en profite pour saluer Zachary qui est arrivé entre temps. Hop. Salut à Jonathan. Aussi, hop. Alors attends, je vais remonter un petit peu. Ah oui, j'ai Flash 0V3R, je t'ai pas vu. Salut. Et puis Julien qui dit, moi je me suis habitué à des choses comme X mode map, X info. Bon bah tout ça. Tout ça, c'est des applications qui fonctionnent sous X, et donc il faut trouver les équivalents sous Wayland. Soit il manque ces programmes, soit il y a des équivalents que je ne connais pas. Alors, je t'ai laissé un com sur une vidéo, et tu m'y poses une question. J'ai répondu, mais la réponse n'apparaît pas. J'ai essayé deux fois, c'est normal. C'est peut-être. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les commentaires sont validés manuellement. Je les ai validés avant de faire le live, mais peut-être qu'il est encore en cours de validation. Je valide tous les commentaires manuellement. L'idée, c'est de vraiment tout lire ce que vous écrivez. Non, j'ai dû le valider. Mais je l'ai validé juste avant de lancer le live, probablement. Je referai un petit tour. Hop. Alors, je reviens ici. Hop. Je vais relire les questions. Pourquoi tu utilises plus VMware et Vilt? Si VMware et VirtualBox sont toujours là. VirtualBox, il est où? Il est quelque part là. Il y a VirtualBox. Alors VirtualBox, il est dans un sacré état. Parce qu'avec le thème sombre. Ah non, ça marche bien. Donc VirtualBox est là. VMware est là. J'utilise Proxmox pour le moment parce que je trouve que c'est assez, assez sympa. J'ai plus guère de place non plus sur le PC en stockage SSD. Donc, vu que j'ai mis ici un petit SSD supplémentaire qui est un SATA bas de gamme, hein, mais qui fait 250 Go, voilà, je m'apprends à utiliser ici Proxmox. Et ça marche pas trop bien, hein, pas trop mal, je veux dire. Pas trop bien. Je vais regarder un truc. Ça, je ne sais pas. Mais quand je mets en principe l'affichage Spice, c'est à peu près fluide. J'ai pas remarqué que c'était pas très fluide. Faudrait que je refasse des tests. Hein. Et vérifier. Hop là. Oula.
Alors, hop, j'essaie de remonter vite fait. Après, ouais, comme tu dis, Burn 02, je teste pas les performances, je teste pas les jeux. Salut Zatoufly, je teste pas plus que ça. Là, tu vois, j'ai testé vite fait pour voir ce que ça donnait LMDE. J'aime plus ce que j'ai mis comme mot de passe. Tu vois, ce que je vais faire, je vais éteindre. On va faire le test ensemble. Alors, comme d'hab, hein, quand je teste ici, je mets ça. Je garde pas l'affichage par défaut. Je me mets avec Spice, 64 mégas. Hop, tac. On va regarder, mais pour non. Mais pour moi, ça rame pas plus que ça. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai pas remarqué. J'ai pas remarqué. Donc, on va faire un petit test vite fait. On va regarder. Ça, hop là. Jonathan pour KDE, je dis Joker parce que je l'utilise pas plus que ça. KDE. Surtout des saccades avec les fenêtres, avec les deux versions de OpenGL. Donc tu vois là, hop là. Bon, ça c'est Cinnamon. Donc déjà, je vais me mettre affichage. 1920 par 1080, appliqué, ok. Oula, petite erreur, le Cinnamon. Ah ouais, tu veux dire que quand on fait comme ça saccade plus qu'avant. Bon. Après, faudrait que je vois, peut-être pour améliorer l'accélération vidéo. Ouais. Je peux peut-être mettre plus. Bon, après, l'idée, c'est vrai que c'est pas trop de faire de la performance, quoi. C'est pas le but. Mais si c'est vraiment pas top, je reviendrai sur une solution VMware où j'essaierai de regarder pour optimiser un petit peu ça. Voilà. Si tu veux. Je vais parler d'LMDE juste après. Anastase, pour info, j'utilise en système de fichiers, j'utilise que EXT4. Ici, ma racine, EXT4. Ma partition boot, EXT4. Bon, le EFI FAT32, c'est obligé. Mon home, EXT4. Mon disque de données, EXT4. Et puis là où j'ai mes VM en SSD, EXT4. 100% EXT4. Oh, je suis un fou! Non, c'est un système de fichiers que j'aime bien, que je maîtrise, qui m'a jamais posé de soucis, qu'on peut agrandir, qu'on peut réduire aussi. On peut tout faire avec, qui est plutôt performant. Il n'est pas si jeune que ça, donc il n'a pas trop de bugs. Fonctionne bien, donc voilà. Hop là. Alors, Jace, je t'ai dit bonjour? Je sais plus. Bonjour, si j'ai oublié. Alors, KDE Néon, bah regarde, c'est ce qu'on va faire. C'est ça l'avantage aussi avec Proxmox. Regarde, tu fais ça. Hop, backup, ISO image. Dans notre from URL, on va s'installer une KDE Néon vite fait, regarde. KDE Néon. Tac, on va charger KDE Néon. On fait le test en live, ça va? En attendant, je vais répondre aux questions. Alors, dans notre KDE Néon. User edition. Copier l'adresse du lien. Coller, query URL, hop, download. Alors, hop, salut à Sébastien, qui arrive aussi. Et Timothée, je t'ai dit bonjour, je sais plus, alors je te dis bonjour, comme ça, je répare mes erreurs. Syntaxe horreur, salut, Joselito, salut, tout le monde arrive, yeah. Alors, que penses-tu de MAUI Shell? Je ne connais pas, c'est un shell nouveau qui veut remplacer le Plasma Shell, je ne connais pas du tout. Ah bah attends, Samy m'a dit, heureusement qu'il y a un MTUI, sinon la fenêtre de l'authentification Wi-Fi n'apparaît plus. Ah ok, bon bah faudra que je teste avec le portable pour voir. Ouais, j'ai vu OpenSUSE. Oh, tu sais que. Regarde, attends. J'ouvre VMware. Attends, viens voir. Elle est pas là, l'OpenSUSE. Maintenant, la SUSE 9.1. Ce que j'en fais, hein, des bricoles. Là, regarde, 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 OpenSUSE Leap, là, regarde. OpenSUSE Leap, et j'ai testé la mise à niveau de vers 15.4 avant de faire un retour pour tester, c'est pas mal.
Donc je vais créer ma petite VM vite fait là. Hop, KDE Néon. On va tester ce que tu dis là. 907 KDE Néon. Attends, comme ça vous voyez comment je crée mes machines virtuelles. Alors, Néon User. Ok. On met de l'UEFI. Ouais, on met de l'UEFI. KDE Néon, je sais pas si ça supporte Secure Boot. Hop, next. 32 Go. C'est parfait. SSD, ça ira plus vite. Write back. Ok. Toc. 4 CPU. Mémoire 4096. Hop, hop, hop. On va installer vite fait ça. Tac. Regardez, facile. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Display. Alors, je vais essayer de mettre peut-être un peu plus de. De mémoire vidéo, on va tester, ça va tout de suite. Start. Tac. Non. Console, ouvrir. On va tester KDE Néon. Hop. Alors en attendant, je vais lire les questions. Hop. KDE supérieur à KDE 24. On va tester. Hop là, je me demande pourquoi ce gnome on n'a pas de gestionnaire de quart d'écran. Ah ouais, écran séparé en 4. Genre ça. Je sais pas. T'as que en 2, mais t'as pas en 4. Bon après, c'est pas. C'était pas vital pour moi, hein, cette option de gnome. Ah. Alors, on va juste basculer de thème là sans installer. Je vais regarder la version de KDE qu'on a là-dessus. KDE 24. Apparence. Ah bah c'est peut-être ce que j'ai testé sur... c'est peut-être le petit bug que j'ai eu sur... si. Là. C'est pas ça le bug. C'est pas le petit bug que j'ai eu sur ma dernière vidéo. Attends, je viens de tilter là. Mais quand j'ai parlé de KOS... À la fin, on a changé le thème. J'ai dit, je le fais en dernier. J'ai dit, on va passer en thème sombre, voilà. Et j'ai eu ça comme problème. Et la moitié qui passe en sombre, c'est ça? C'est peut-être ça. Ça m'évite d'installer une KDE Néon. Je pense rien du tout de BTRFS Benjamin. Il m'a juste... Salut Kenopir aussi, j'ai pas vu arriver. BTRFS, je pense rien du tout. J'ai eu une mésaventure avec un système de fichiers impossible à réparer. Donc, je suis plus très chaud avec ça. Voilà. Salut à Victor qui arrive aussi. Donc, j'ai noté en tout cas, Samy, hein, ton souci de Calculate là. Et je regarde en testant sur le portable. Je vais démarrer un portable en live. Et puis, je vais tester ça. Comme ça, je pourrais jeter un petit coup d'œil et voir s'il n'y a pas un souci là-dessus. Et s'il y a un souci, voir comment on peut essayer de le résoudre. Je note. NM Applet. Wi-Fi. Hop, voilà. Tac. Alors, hop, ça cause un petit peu. Oh là là, vous écrivez. Connais-tu la fonction pour Proxmox de GPU Pass-Through? Ouais, je sais qu'il est possible de le faire. Par contre, tu sais, Proxmox, il est installé là-dessus. Il est installé sur un Intel Nuke. Donc, il n'a pas de carte graphique spécialement puissante. Voire même pas du tout. Hein, c'est le chipset GPU intégré. Je suis pas sûr qu'on y gagne vraiment. Salut Numinem. Je te confirme que XT4 fait le taf. Salut SlunY. Est thème icône animation ne marche plus. Tout ce qui est thème icône animation ne marche plus. Non, dans KDE. Hein. Ok. Pourquoi pas de UFS sur Linux? Je sais pas. À ce moment-là, on pourrait même presque dire pas de. Il n'y a pas de JFS2 aussi. Le JFS, le système de fichiers de AX que j'ai bien aimé comme Unix. Il y a JFS, mais pas JFS2. C'est dommage. Tac.
que... Alors, attends, j'ai vu une question de MC Oas. Salut. La plus belle distro, pour moi, c'est... Il n'y en a pas. Il n'y a pas de plus belle distro, parce que tu as, en fait, quelque chose... De dire une distribution qu'elle est jolie, ça ne veut pas dire bien grand-chose. Tu vois, par exemple, ici, vu qu'on est dans KDE Néon, tu vois, bon, ok, super. Il y a des belles fenêtres grises, ok, avec une petite ombre bien sympathique. Hein, si j'ouvre, par exemple, un logiciel par-dessus un autre, tu vois, KDE. Si, c'est joli, on a les petites ombres et tout. Ok, ça, c'est une belle distribution. Dans le sens, c'est joli graphiquement. Moi, ça me plaît. Mais après, les goûts et les couleurs, c'est pas tout le monde pareil. Tu vois, j'ai parlé à un moment donné de... On va aller la chercher. Garuda, voilà. Ceux qui aiment bien les thèmes flashy, qui sont gamers, un peu tout ça. Hop, regarde, c'est joli. Regarde les icônes qui sont là, le thème sombre, un peu flashy avec des néons et tout. Waouh, c'est joli. Honnêtement, ça claque. Moi, j'aime pas. J'aime pas, c'est pas spécialement mes goûts, mais on peut remarquer quand même que c'est joli. Après, une distribution qui est jolie, moi, la mienne, tu vois, regarde, si je t'ouvre ça, ok, si je t'ouvre, par exemple, mon moniteur de ressources, bon là, c'est les fenêtres de Gnome, mais si je t'ouvre une fenêtre d'un terminal XFCE, ok, tu vois, c'est un thème sombre, c'est très simple, moi, je trouve ça joli, plutôt efficace. Après, si tu veux quelque chose de joli, rien ne t'empêche pour toi de faire ce que tu veux. Tu vois, là, on a KDE Néon, je prends celle-ci. Tu as un thème là. Si tu n'aimes pas le thème, tu peux aller sur Internet et aller personnaliser toi-même le thème. Par rapport à Windows, où tu es orienté qu'avec un seul thème qui t'est proposé, et après, il faut les récupérer par-ci, par-là, le truc. Bon. Là, tu peux personnaliser, t'aimes le bleu, t'aimes le vert, t'aimes le rouge, t'aimes ce que tu veux, tu peux changer et faire à ta sauce. Et donc, par définition, un thème n'est pas dépendant d'une distribution Linux particulière, puisque ce sont des fichiers qui s'installent comme ça. C'est dépendant d'un environnement de bureau. Donc après, s'il y a une distribution que tu trouves jolie, rien ne t'empêche de te dire sur une autre distribution avec le même environnement de bureau, tu vas pouvoir remodifier le thème et le mettre à la sauce que tu veux. Donc, il n'y a pas de plus belle distribution. Je dirais juste que la plus belle distribution, c'est celle que toi, tu te fais. Et puis, après, si c'est la plus belle distribution comme ça, qui est livrée sans faire aucune personnalisation, moi, j'aime bien tout ce qui est plutôt par défaut, thème par défaut. Quand j'étais sur Calculate avec Gnome, j'ai utilisé le thème Adwaita. Quand j'étais sur KDE, j'utilisais le thème Breeze. Ici, c'est le thème par défaut de XFCE. Hein. Je ne sais plus ce que c'est. Là, c'est Adwaita sombre pour avoir le sombre. Tu vois, j'ai pas 36 000 thèmes. Bon, j'ai installé XFCE après Gnome. Donc là, tu vois, j'ai thème Adwaita sombre. Ok. Les icônes, c'est Papyrus Dark. Et puis après, au niveau de l'apparence des fenêtres, attends, je ne sais plus où c'est, gestionnaire de fenêtres, tu vois, c'est défaut. Enfin. Je laisse tout par défaut, quoi. Il y a juste les icônes. Les icônes où c'est Papyrus Dark, parce que Adwaita, tu vois, ça fait ça. Si je mets les icônes Adwaita, c'est... Bon, c'est pas... Ça casse pas la baraque, quoi. Bon, Papyrus, ils sont jolis. Mais voilà, je suis pas un adepte de la personnalisation de ma distribution. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est je clique sur le bouton, ça s'ouvre. Ça me va très bien. Salut à Pasquale. Vous voyez Pasquale, il est aussi écrit en vert. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est une personne qui est abonnée à la chaîne, qui adhère et qui soutient financièrement la chaîne. Donc il fait partie des revenus dont j'ai listé tout à l'heure. Voilà, salut à David qui arrive. Ah, attends, je remonte. Télécharger un nouveau thème. Ah, attends, on va voir, télécharger un nouveau thème. Ah oui, mais attends. Ton problème de télécharger un nouveau thème. Alors, attends, on va installer KDE Néon, vite fait. Hop. Et comme ça, on va pouvoir s'amuser avec du KDE et tester ce qu'on a testé. Hop.
Allez hop, on fait une install par défaut. On ne casse pas la tête. Adrien. Hop, hop. Alors, on va même pas demander le mot de passe, je m'en fiche. Ok, très bien. Salut à LDV First. Oups. Bienvenue. Oula. Alors attendez, par contre, j'ai fait une bêtise. J'ai perdu le. J'ai juste. Ah. J'ai fait une fausse manip. Que je. Oh mince. Alors attendez, j'ai perdu le chat, je ne vous vois plus, j'ai fait une fausse manip que je fais d'habitude avec quand il y a Anydesk qui est là. Et je n'arrive plus à avoir le. Attendez, hop, je vous ai plus vous. Je ne vous retrouve plus. Ah oui. Ok, j'ai posé le téléphone malencontreusement sur la touche contrôle. Ok. Je vous ai retrouvé. Tac. Ok. Donc je disais, salut à LDV qui arrive au passage. Alors je vais remettre ça ici. Ok. Voilà. Hop. Oui, c'est vrai que Linux n'est que le noyau, pas l'interface. Hein. Après ça, c'est KDE. En tout cas, pour la consommation, pour répondre à ta question de la consommation, ça dépend. Déjà, il ne faut pas utiliser le moniteur. Il faut pas utiliser le moniteur de ressources graphiques de la distribution. Je vais revenir rapidement. C'est ça qui est génial avec Proxmox, c'est qu'on peut lancer autant de VM qu'on peut. Hop, regarde, je vais relancer la petite LMDE. Ouvrir. Hop. Puisque l'autre système est en cours d'installation. Et je vais te montrer quelque chose de très curieux dont j'ai déjà présenté dans une vidéo le résultat. Salut Adrien. Alors, on lance vite fait la LMDE. Peu importe si c'est une version bêta ou peu importe, ce que je vais vous montrer, c'est assez intéressant. C'est que quand on compare la consommation, il faut comparer ce qui est comparable et avec le même outil. Voilà. Bon, peu importe, l'affichage il est un peu crado. Là. Attends, je vais mettre en plein écran. Je vais mettre ici. Tac. Je retrouve affichage. Hop, 1920x1080. Ok, appliqué. Okay. Une petite erreur qui va bien. Donc ici, je prends mon terminal et je vais installer K6 Guard. Ça doit être ça. Chez KDE, oui. Donc forcément, vu qu'on est avec Cinnamon. Quand on installe K6 Guard, ben on installe un tiers de KDE. Petite joke. De quoi la musique est répétitive? Ah oui. Non mais tu m'as fait peur parce que... J'écoute dans le casque de la musique. J'écoute mon ami sur Twitch. Et donc, je me suis dit que peut-être, tu vois, que peut-être vous entendiez la musique et que j'aurais un souci. Alors bon, là, manque de bol, mon truc de KDE, on n'arrive pas à récupérer des paquets. Bon. Ça, c'est les aléas du direct. Vous voyez, ça, c'est le genre de truc qui me font recommencer une vidéo quand il y a un petit problème sur le miroir ou qui me font couper le genre de truc pour pas que vous voyez. Donc, quand ça m'arrive, que ça fait déjà 15 minutes que j'enregistre, je recommence. Et je me mets sur un autre miroir. Ce genre de truc qui arrive souvent. Alors, attendez, je vais prendre mon miroir favori. Hop, Esslingen, appliqué. Voilà. Non mais tu vois, ça aurait pu être cet onglet là, tu vois, celui-là, celui où j'écoute de la musique. Hop. Donc on va rafraîchir ça, hop, on va revenir ici, tac, tac. Je vais essayer ceci, oui, on va peut-être tomber sur un miroir, voilà,
qui a le fichier qui va bien. Ok. Donc tu vois, quand on installe un logiciel en provenance de KDE dans un environnement qui n'est pas du tout KDE, ça t'installe plein de trucs de KDE. Donc là, on installe une bonne partie des bibliothèques liées à KDE. Et tu vas voir, il y a un truc qui va être assez marrant. On peut faire la même avec un environnement de bureau KDE, avec les outils de GNOME. D'ailleurs, on va le faire, ça va être marrant. Je vais revenir ici. Tiens. Hop. Comme ça, le temps que les logiciels s'installent, je vais parler rapidement du fond d'écran. Sur comment j'ai fait. C'est pas très compliqué, tu vas voir. Hop. Je me mets juste en 1024x768 si je le retrouve. Voilà. Ce qui ne marche pas très bien. Merde. Je vais arrêter la machine et je vais la redémarrer, peu importe. Je vais fermer 2-3 bricoles. Hop. Mon fond d'écran, c'est assez simple. Je crois qu'on le retrouve facilement. Avec ça, Balloon Wallpaper Shield. Hop. Voilà, ici, on va la trouver. Bah tiens, peu importe. Hein. Je vais prendre n'importe quelle image. Je vais prendre celle-là. Peu importe. Hop. Afficher le fichier. Bon, c'est tout petit. L'image, elle va être toute petite, mais c'est pas grave. Je vais te montrer comment j'ai fait. Il n'y a rien d'extraordinaire dans GIMP. Je voulais pas spécialement en faire une vidéo. Hop, copie l'image. Regarde, tu fais comme ça. Donc, tu as ton image. Bon, on est d'accord? C'est flou, hein. C'est flou, mais c'est pas grave. Et l'idée, c'est ça. Ici, j'ai fait comme ça. Hein. J'ai dupliqué mon calque. Okay. Ici, sur celui-là, je me suis mis en noir et blanc. Donc ici, tu fais... image. Non, couleur. J'ai un petit trou de mémoire. Désaturation. Voilà, couleur vert gris. Idée. Bon, c'est pas celui-là que j'ai pris. Désaturation, désaturé. Voilà, hop, c'est celui-là. Et comme ça, t'as ton calque noir et blanc. T'as celui-là qui est en couleur. Ok. Et après, le but, c'est de faire quoi? Bah, c'est de faire ça. Hop. Donc, je me suis amusé à détourer mes ballons. Alors, je te le fais très grossièrement, hein, mais hop, 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 hop. Bon, tu détours tout. Tu t'amuses à tout détourer. Hop, 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 hop. Ici, tu supprimes la sélection là. Bien sûr, avant... Il faut faire un petit coup de transparence. Hop, voilà. Et comme ça, derrière, tu as ton fond gris. Et donc là, tu regardes si je coupe comme ça. Je le fais vraiment très approximativement. Hein. Hop, hop, hop. Donc là, bon, tu t'amuses à bien faire le long du côté. Hein. Là, je te le fais très grossièrement, mais voilà, hop. Et tu vois, j'ai mon image ici, sélection aucune. Qui devient noir et blanc derrière et on conserve la couleur parce que je découpe. Voilà. Donc j'ai gardé le contour de la petite fille, j'ai gardé le contour des ballons et derrière bah, j'ai laissé en noir et blanc. Pas très compliqué, juste il faut du temps. Voilà, donc là, bon. Faire mieux que ça, hein, mais là c'est juste en gros pour te montrer. Voilà. Et là tu vois, tu retrouves la petite fille. Donc là, faut bien lui enlever la robe. Hop, voilà, tu vois. Puis là, j'ai mon fond. Voilà, bon, c'est pas travaillé super bien. Mais voilà comment j'ai travaillé. Tout simplement. Et le petit texte en bas à droite, bah, c'est facile. Tu ajoutes juste une zone de texte. Après, tu te mets là où tu veux. Voilà, et puis Toto, voilà, par exemple. Tu écris ton texte tranquillou. Voilà, tu lui mets la police d'écriture que tu veux. Donc, celle de calculette, je ne sais plus ce que c'est. C'est la police d'écriture de calculette dont j'ai oublié le nom. Bah, qui doit pas être installée là. Et après, tu sélectionnes ton texte. Et on fait un petit filtre.
Là, c'est un filtre que j'utilise énormément. Onde, ombre et lumière. Ombre portée ancien. J'aime bien l'ancien. Ok. Et là, tu mets le rayon de flou, le décalage en X, en Y. Donc là, 4 et 4, ça va décaler là à droite et là en bas. Je te mets un truc bien flashy, histoire que tu vois bien la différence. Si je fais valider, hop, tu regardes, ça fait le décalage comme ça. De 4 pixels, 4 pixels avec un halo de 15 pixels. Bon, là, c'est plus grand que l'image, donc il déborde, mais voilà. Si je t'enlève tout, hop. Voilà, tu vois, on a l'ombre ici. Je vais te mettre un calque avec un fond, là. Toc, 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 toc. C'est pas top, ça, comme couleur. Voilà. Ça, tu vois mieux le halo de lumière. Donc, voilà, avant, après. Le halo de lumière te décale de ce qui a été mis ici. Hop, voilà. Il décale de 4 pixels. 4 pixels, il fait un rond de... Il fait un halo de flou de 15 pixels. Voilà, hop, j'étais à fond dans mon GIMP là. Donc finalement, j'ai pas forcément vu tout ce que vous me disiez. Tac. Salut à Clouddown. On parlait Linux jusqu'à ce que je dévie sur comment j'ai fait mon fond d'écran suite à une question. Voilà. Pourquoi changer une calculienne et une flotte marche nickel en argent, je suis disponible dans les dépôts. J'ai noté hein, le souci avec le NM applet. On va voir comment on peut faire, il y a peut-être une petite régression. Donc ouais, voilà, c'est ça que je voulais montrer à la base. Hop, on va revenir ici. On parlait de la mémoire dans les systèmes. Donc là, regarde, je prends le moniteur système. Ok, je prends K6 Guard, donc le moniteur système de KDE qui va se lancer. Ok, donc tu vois là on a deux moniteurs système sur le même système qui fonctionne, hein. D'accord. Ici, le moniteur système de KDE me dit 0,81 giga consommé, GIO. Et là on est à 1,1, donc déjà on va se dire, ah mais attends, KDE c'est plus léger que GNOME, alors certes, en vrai, KDE est un petit peu plus léger que GNOME, on est d'accord. Mais, quand vous êtes sous KDE, vous avez l'outil de KDE, qui vous affiche, ici, 0,81, là où GNOME, pour le même système qui fonctionne, vous avez 1,1. Donc, on a 300 mégas de différence. Ah. Donc ça, le truc, déjà, c'est juste que les outils ne comptent pas la consommation mémoire de la même manière. Petit cours de fonctionnement de la mémoire. Enfin, petit cours. Ça va être vite vu. La référence sous Linux, c'est la commande free. Ok. Donc là, je vous lance la commande free-m pour avoir en méga. Ok. Alors, je vais agrandir la fenêtre, là. Si j'y arrive. Ok. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc on a 4 gigas environ sur la mémoire, sur le système, et là on a 0,83, là on a 1,2. Donc, ici, la surveillance du système de KDE, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ça, les 905 mégas, et elle ôte la mémoire qui est partagée. Voilà. Et ça, c'est comment fonctionne le moniteur système de KDE. Il prend la mémoire utilisée et il enlève le partagé. Et donc, on obtient ce chiffre-là. Sauf que là, on est en MO et là, on est en IO. Donc, il y a le facteur de conversion 1000-1024. Donc ça, c'est comment fonctionne la surveillance du système de KDE. Et chez GNOME, vous voyez, ça fait 1,2. Et donc, si vous regardez bien, le 1,2 va, en tout cas, être ici le total moins le disponible. Et donc, ça doit correspondre à peu près à l'utiliser plus le partager. Quoique ça semble bizarre. Mais certains outils prennent en compte
le partager, d'autres n'en prennent pas, certains prennent en compte le cash, d'autres ne prennent pas en compte le cash. Et donc, les systèmes ne comptent pas pareil. Donc, si vous les comptez de manière identique, les systèmes, n'utilisez pas les outils graphiques ici des environnements de bureau qui comparent et qui utilisent des valeurs différentes, on le voit bien ici. Mais prenez bien la référence, c'est la colonne free-m, free-m, là qui vous affiche la mémoire en giga, en méga, pardon. Et donc là, vous pouvez comparer ce qui est utilisé sur les deux systèmes. Free étant la commande la plus proche du système, c'est celle qui est la plus juste au niveau de ce que vous voulez. Et donc, vous pouvez prendre l'utiliser. Sachant que ce qu'il y a en cache, ici, on a 905 mégas utilisés. On en a 1490 de mégas qui sont utilisés en tant que cache. Ça veut dire que quand vous fermez des applications, là, si je relance ma commande free-m, il libère de la mémoire, mais il libère pas tout, il en laisse en cache. Et c'est pour ça que quand vous lancez une application la première fois, vous voyez, je lance Firefox, elle est longue à lancer, vous la fermez. Au moment où vous fermez Firefox ou une application, qu'est-ce qui se passe? Toute la mémoire n'est pas libérée, il y a des choses qui restent en cache, de façon à ce que la deuxième fois où vous lancez Firefox, ou un programme, peu importe, le programme se lance plus vite parce qu'il reste des choses dans le cache et donc le cache est utilisé. Et après, si jamais vous n'avez vraiment plus de mémoire disponible et que vous voulez lancer une application encore plus lourde, eh bien là, à ce moment-là, ce qui est contenu dans le cache est libéré et utilisé pour l'application. Donc le cache, c'est de la mémoire qui est utilisée au cas où on relance une application pour que ce soit plus réactif ou... C'est là qu'on va précharger des informations pour que quand on en a besoin, on va les chercher dans la mémoire. Puisque ce qu'il faut se rappeler, c'est que la mémoire RAM est beaucoup plus rapide que le stockage sur disque. Donc forcément, si on accède à de la donnée qui est stockée dans la RAM au lieu du disque, ça va plus vite. D'où cette notion de réactivité. Mais cette mémoire, elle peut être libérée à tout instant si jamais on en a besoin de plus de mémoire que de disponible. Là, vous voyez ici... si je vous relance la commande, hop, voilà. Si je lance un programme qui nécessite 2 gigas de RAM, là j'en ai 773 utilisés, j'en ai 1703 dans le cache, donc j'en utilise 2400. Si je lance et que j'ai besoin de 2 gigas, 2400 plus 2, ça fait 4400, j'en ai pas assez sur ma mémoire. Donc là il va aller prendre ici, mais il peut en libérer de là instantanément. Donc c'est pour ça que certains environnements de bureau, comme GNOME par exemple, on se dit, bah oui, mais GNOME utilise plus de mémoire sur notre système. Oui, mais si il précharge des informations, il est alors plus réactif à l'usage qu'un environnement de bureau qui ne va pas précharger des informations et qu'au moment où on va lancer les applications, bah, elles vont être plus longues à se lancer. Donc dire qu'un environnement de bureau consomme plus... Oui, ça se constate, mais après, s'il est plus réactif parce qu'il prend plus de mémoire, est-ce qu'il vaut mieux privilégier la réactivité ou l'économie de mémoire? À vous de choisir. Donc là, Cinnamon utilise 773. Si je reviens avec mon KDE Neon qui depuis s'est installé, et que je lance, regardez, vous voyez, si je lance K, sysgard. Ah bah, il n'est même pas installé là. Ok. Console, je vais lancer console, free-m, voilà, c'est bien ce chiffre-là qu'il faut prendre en compte, là, le used, ça c'est important. Donc là on voit que KDE utilise 535 mégas de RAM avec le système et tout le bazar lancé. Donc oui, il est plus léger, mais il est plus léger par rapport à Cinnamon que de 200 mégas, là où peut-être qu'un outil graphique vous dira vraiment le contraire. Sudo apt install k6guard. Je vais installer GNOME System Monitor. Hop, regardez, on va faire le test. Donc forcément, hein, à l'inverse, quand on installe GNOME System Monitor, il va nous installer quelques trucs. Je vais mettre... Alors par contre, sur KDE,
Affichage et écran. Jack. 1920 parmi 80. Ok, c'est plus agréable ici. Conserver, ok. Ok. Et donc là, si je fais K6 garde, que je vous fais GNOME System Monitor, hop, je vous fais le même test, mais dans l'autre sens. Hop là, vous voyez la différence? K6 garde, il nous dit 0,66 giga d'utilisé, et celui de GNOME, 1 giga utilisé. Voilà. Donc là, sur le même système, on voit qu'il y a... il y a quasiment 350 mégas de différence. Et donc, si on lance à cet instant la commande free-m, free-m, hop, regardez, voilà. Donc ici, je vais regarder un truc, par contre, sur la commande free, si on peut avoir les options en MIO. Donc, c'est bien tiré petit m, maybe byte. Donc si l'unité est bonne. Ok. Voilà. Donc là, le 730, le 732-44, ça fait à peu près ça. Donc lui, il enlève le partagé. Et ici, le 1111, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça moins ça. Voilà. Donc chez GNOME, il prend le total, il enlève ce qui est disponible, et donc pour lui, c'est ce qui est utilisé, parce que ce qui est utilisé, c'est ce qui n'est pas disponible. Donc chez GNOME, il fait le total moins le disponible, là où chez KDE, il fait l'utilisé plus le partagé. Moins le partagé, voilà. Donc voilà pour la petite histoire de comment ces deux outils comptent la mémoire. D'où la différence. Je sais pas si c'était clair. Alors, je vais en profiter juste pour faire un petit sudo apt update. Sudo apt full upgrade. Et après, on va reprendre nos affaires. Yes. Voilà. Alors, pour tester la GNOME, version 42 de GNOME, plusieurs solutions. Vu que c'est du bêta, hein, GNOME 42, soit tu prends une distribution en cours de développement. On va aller sur notre site favori, pkgs.org. Regarde. Et ici, tu tapes juste GNOME Shell. Et là, on va voir que chez Arch Linux, bah, ils ont toujours la version 41, stable. J'en mets plus gros. CentOS Stream, version 40. Debian, version 3.38. Par contre, si tu prends la version de développement de Debian, tu vois, ils sont encore en GNOME 41. Par contre, Fedora Rawhide, qui est la version de développement de Fedora, version que j'ai utilisée pour faire ma vidéo. Salut Sébastien, merci d'être passé. Fedora Rawhide, la version de développement de Fedora. Fedora 36 va embarquer GNOME Shell 42, puisque ce sera disponible dans cette Fedora 36. Chez Mageia Cauldron, donc la version de développement de Mageia, c'est encore 41. Open Mandriva, la version de développement, non. OpenSUSE Tumbleweed, donc la rolling release d'OpenSUSE, tu peux activer le dépôt GNOME Next. Et donc, tu peux tester GNOME 42 bêta. Et tu pourras tester GNOME 42 dans Ubuntu 22.04, parce qu'il me semble que GNOME 42 sera dans Ubuntu 22.04. Donc, tu peux tester ça aussi. Salut à Burn02 et à Jace qui s'en vont. Merci d'être passé. Et salut Naël qui arrive. Donc voilà, avec OpenSUSE Tumbleweed, je crois que... c'est la méthode qui est utilisée dans deux ou trois articles sur internet quand on veut tester, mais tu je vais regarder un truc, ils te disent, voilà, tu as la commande là, zipper add repo gnome next, et après ça active le dépôt de gnome, et puis après tu peux ben là
vu que le paquet s'appelle Gnome Shell, si tu installes une OpenSUSE Tumbleweed, donc la version Rolling Release d'OpenSUSE, que tu ajoutes le repos et que tu l'actives en mise à jour, tu peux avoir un Gnome bêta à tes risques et périls. Voilà. Donc, je vais avancer un petit peu dans ce que je voulais vous dire. Alors, finalement, ça, on s'en fout un peu. Hop, voilà. Donc, LMDE, on a parlé tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a demandé où est-ce qu'on pouvait récupérer LMDE 5 bêta. Et bien, vu que c'est disponible depuis le 27 février, on peut récupérer directement. Alors, moi, je le fais toujours de la même manière, hein, mais sur les miroirs, en ligne. Hein. Donc là, sur cet article 9to5linux.com, il y a les deux liens. Et après, vu que moi, je vais toujours chez Esslingen sur le FTP de Esslingen, parce que c'est le miroir Linux qui aujourd'hui est le plus rapide chez moi, bien qu'il soit en Allemagne. Waouh, ok. Donc là, ici, quand on va sur les miroirs, hop, on a celui de Mint, donc linuxmint.com. Bah, c'est pas très rapide, voilà. Et sur le miroir de linuxmint.com, tu as un dossier testing, et là tu peux récupérer l'image de LMDE 5. Voilà, je te mets le lien de Esslingen. Si tu es toujours là pour récupérer. Voilà. Donc il n'y a pas énormément de nouveautés, si ce n'est que c'est basé sur Debian 11. J'ai regardé les trucs qui ne fonctionnaient pas avec LMDE 4, ça ne fonctionne toujours pas avec LMDE 5. Je voulais faire une vidéo pour montrer un petit peu ça, puis finalement il n'y a pas grand chose à dire. Mais en gros, sur LMDE 4, on ne pouvait pas installer le système si on préparait nous-mêmes ses volumes logiques. C'est toujours pas le cas avec LMDE 5, bien que Clément Lefebvre ait fermé mon bug que j'avais ouvert sur leur projet. Il a fermé, il n'a pas mis de commentaire. Je me suis dit, tiens, c'est corrigé. Et ben non. Donc, mis à part une mint basée sur Debian avec Cinnamon qu'on a l'habitude de retrouver, il n'y a rien d'extraordinaire, puisque dessous, c'est Debian plus la couche Cinnamon personnalisée par Mint. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau. On verra peut-être ensemble s'il y a la possibilité de mettre à niveau, de faire une mise à niveau de 4 vers 5 en graphique. Oh, ce serait le rêve. Bon, voilà. Concernant les distributions Linux, bah, tant qu'on en parle, Alma Linux, la distribution Linux que j'ai toujours supportée depuis le début, eh bien, elle sort maintenant en Power PC 64 bits, donc après être sortie en 64 bits classique en ARM, eh bien, on a une version 64 bits Power PC pour installer ça sur des systèmes avec processeur Power PC. Ok. Donc ça, les Power PC, on va les retrouver sur les vieux Mac, mais c'était peut-être pas du 64 bits. Et de mémoire, Power PC, c'est là-dessus qu'il y a des machines où il y a des Unix de type AX, par exemple, c'est du Power PC. Voilà, donc c'est disponible. Donc on voit que chez Alma Linux, ils font du travail pour avoir un petit peu plus d'architecture proposée, pour avoir des systèmes uniformes, quel que soit le type de matériel, en tout cas le type de processeur qu'il y a sur les matériels. Voilà. Salut à Androtech. Petit aparté par rapport à Mint Debian, mais penses-tu qu'avoir installé Ubuntu sur une clé USB se comporte comme un SSD ? Non, c'est pas une bonne idée, parce que c'est pas une bonne idée installer un système Linux sur une clé USB, parce que ça va user très très vite la clé USB. Et les performances sont pas bonnes du tout par rapport à un SSD. Hein. Sur le long terme, tu bousilles ta clé USB. Même sur le moyen terme, voire le court terme, si tu l'utilises souvent ton système sur clé USB, tu vas vite bousiller la clé USB. Hein. Pour Samy, le secret de l'installation de Calculate Linux, c'est juste que c'est compressé avec ZSTD, le système, et donc ça se décompresse très vite.
Donc voilà pour Alma Linux, dérivé de CentOS. Vu que ça parle de Steam un petit peu, et ça parlait de... Donc Deadman, là, il nous parlait de jeux, de tout ça. PMG, que je salue, je crois que je t'ai pas dit bonjour. Tu vois, je voulais en parler. J'ai vu le truc passer il n'y a pas très longtemps. Valve a mis à disposition Proton 7.0 qui se base sur Wine 7.0 qui est sorti il n'y a pas longtemps et donc il y a encore plus de jeux qui sont supportés. J'avais fait une vidéo bien particulière, je vais regarder s'il y a le lien, mais il y a un site, ce site-là, là, qui te permet de vérifier si un jeu que tu possèdes est fonctionnel ou pas avec Proton. Et ce qui peut arriver, c'est que des fois, il y a certaines versions de Proton, ça ne fonctionne pas, et d'autres, ça fonctionne. J'avais le cas avec Pinball Arcade, qui fonctionnait avec une vieille version et pas une version récente. Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, attends. Power Mac G5 en 64 bits. Donc Alma Linux, ça c'est cool. Proton, attends, okay. Mes enseignants le conseillent, le recommandent vivement. Alors attends, merde, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, d'installer Linux sur une clé USB. Moi, je pense que si ta clé USB, tu la démarres et tu... Le fait de faire des mises à jour, d'utiliser ton système, alors tant que c'est de la lecture, ta clé USB, ça va. Par contre, dès que c'est de l'écriture, tu vas l'user beaucoup plus vite qu'un SSD. Donc oui, Fernando, je te salue et c'est ce que j'allais proposer effectivement. Un SSD dans un boîtier, pourquoi pas? Et je serais même presque prêt à prendre le pari qu'un système... Non, je prends pas le pari. Mais un système Linux sur un HDD externe, USB 3, c'est plus rapide pour écrire des choses qu'une clé USB. Je dis pas pour lire, hein, mais pour écrire, oui. Electronic Earth avait usé une clé USB en quelques mois. Écoute, moi, pour faire des sauvegardes régulières de mon serveur qui est à la maison, pas le Proxmox, hein, l'autre machine où j'ai mes sites qui tournent, où il y a la Gen 2, je ne fais que toutes les nuits copier sur la clé USB, faire un AirSync, hein, donc de la sauvegarde incrémentale. Il n'y a honnêtement pas grand-chose qui bouge avec le temps. Et ben aujourd'hui, un an et demi après avoir acheté la clé USB, donc j'ai pas écrit non plus des gigas, un an et demi après avoir mis cette clé USB, le taux d'écriture est quand même assez impressionnant puisque le taux d'écriture sur cette clé USB 3.0 est de 2 ms. Donc... Tu vois, en écrivant pas grand-chose sur ma clé USB, elle est un peu usée. D'ailleurs, regarde, on peut faire le test. On peut regarder un truc. C'est pas ça que je vais faire. SSHC. Hop. Regarde. On va aller regarder. Ici, je vais me connecter en route. Fdisk-L. Donc la clé USB, elle est là. Data Traveler. C'est une 125 giga. Hein. Si je te fais un tune, tout... Alors, je vais vérifier un truc avant. DF-HT. Donc DevSDB1, elle est où? Elle n'est pas montée. Mount. DevSDB1. Ah oui, c'est vrai, je la monte au coup par coup. MNT USB. Voilà. Donc ma clé USB, elle est en EXT4. Donc, connaissant mon superbe outil Tune2FS pour XT4, ça pose aucun problème. Regarde, Tune2FS-L DevSDB1. D'ailleurs, j'avais peut-être pas besoin de monter la clé hein, au passage. Hop, voilà. Donc ici, ah tu vois, quand je disais un an et demi, c'était faux. Système de fichiers créé le 3 février 2020. Ben attends, ça fait 2 ans pile poil que la clé, je l'ai mise, ok? À force de faire des sauvegardes incrémentales, tu vois, j'en ai pas écrit tant que ça sur la clé USB. Uniquement 418 gigas. Donc j'ai écrit entièrement 4 fois, en gros, le contenu de la clé.
Eh bien, en ayant écrit 4 fois le contenu de la clé, j'ai un débit nul. Alors, je ne vais pas lancer la sauvegarde là, parce que vous allez voir des fichiers, des noms de fichiers que j'ai pas envie que vous voyez à l'écran. Mais le taux d'écriture est vraiment moche. Hein. Regarde, si je vais dans MNT USB maintenant, et que je fais un DD. Alors, URandom, OF égale MNT USB big file, status égale progress. Hein, enfin, un test d'écriture sur la clé. Voilà, donc au début, ça envoie à fond, hein, 110 mégasecondes, mais ça c'est toujours le fun. Et voilà, et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est à 540 mégas. Hop, déjà, l'écriture, elle descend à 35 mégas. 33, ok. Et là, tu comprends pas. Le DD, il fait plus rien. Il bloque. Donc, tu vois, ma clé USB en écriture, elle fait quoi là? Il se passe rien parce que DD, il attend d'écrire sur la clé. Voilà. Et donc, ça fait. Ça va faire bientôt une minute qu'on va écrire sur la clé. Tu vois, DD, il est bloqué. Hein. Donc là, j'essaye d'écrire un fichier sur la clé, mais la clé, elle n'encaisse pas. Et donc, ma commande, elle est bloquée. Et donc, copier une différence de 5 mégas, eh ben, j'ai des écritures. En plus, là, c'est un gros fichier qu'on écrit. Donc, tu vois, le débit diminue, mais c'est un gros fichier. Alors, je ne te fais même pas l'exemple avec plein de petits fichiers qu'on copie, parce que moi, ma sauvegarde, c'est ça, c'est plein de petits fichiers qui se copient. Donc, on est quand même sur une clé USB 3. Voilà. Et on a régulièrement, pendant la copie, des blocages de la commande DD qui comprend rien de ce qu'elle fait. Voilà. Tu vois, là, je fais CTRL-C, j'interromps le processus. J'interromps le processus, mais avant que la console me redonne la main, tu vois, il se passe un petit moment. Et donc, on se rend compte que pour copier 1 giga d'un gros fichier, c'est juste un gros fichier, c'est pas plein de petits fichiers, parce qu'évidemment, quand on copie plein de petits fichiers, c'est beaucoup plus long, hein, qu'un gros fichier. Et ben, tu vois, même pas 1 giga, on est à une rapidité de 10,6 ms en moyenne. Voilà. Donc je vais supprimer mon fichier. Hein. Ok. Mais tu vois, là, au bout d'un an, au bout de 2 ans, et j'ai écrit 4 fois le contenu de la clé USB, bah elle est déjà bien fatiguée, hein, cette clé USB. Donc je vais démonter juste... ma clé. Et tu vois, là, je démonte la clé. Mon système ne veut pas démonter la clé. Pourquoi le système ne veut pas démonter la clé? Ben parce que ce que j'ai écrit, il y a encore des instructions qui vont du système à la clé. Donc pour le moment, il ne peut pas démonter la clé parce que le système cause avec la clé. Tu vois, c'est super long le démontage. Donc, voilà. Après, quand tu as un système où il y a les logs qui sont écrits sur la clé USB, s'il y a tout un tas de trucs qui sont faits, quand tu télécharges des mises à jour, et ben, ça occupe de la place sur la clé. Ensuite, tes fichiers DEB, qui sont tes paquets qui sont décompressés, ça prend des ressources, ça écrit, ça lit. Ça, les performances deviennent incroyables. Quoi. Et là, on est bien avec une clé USB, avec un système EXT4 classique, quoi. On passe pas par je sais pas trop quoi. Voilà. Donc là, c'est un simple R-Sync. Hein. Un simple DD, pardon. Mais ma sauvegarde, oui, je la fais avec un R-Sync, sans accéléreur. Hop, alors attends, je vais remonter un petit peu. J'ai un NVMe, est-il nécessaire d'ajouter le flag SSD dans FSTAB? Moi, je l'ai pas ajouté, moi. Mais après, ouais, une clé USB, l'écriture d'une clé USB, ça diminue avec le temps. Et c'est le cas aussi avec une carte SD. Une carte SD, pareil. Hein. Tant que vous faites de l'accès en lecture, ça va. Dès que vous faites de l'écriture, vous bousillez forcément les puces électroniques parce qu'elles ont un cycle de vie limité en écriture. Voilà.
Et comme les SSD, hein, les SSD ont des cycles, les puces des disques SSD ont des cycles d'écriture bien définis. Et c'est les infos qu'on peut remonter avec. Alors, je sais pas si. J'ai regardé un truc. Smart CTL, ouais, j'ai la commande, -A, dev, NV, non. SDA. Là, j'ai un SSD là-dedans. Quand vous affichez les informations smart sur un SSD, vous avez un truc qui s'appelle. Alors, je sais pas si on l'a là. Non, je l'ai pas là. Mais vous avez la notion, une valeur qui est le wear leveling, qui est l'usage du disque. Et en gros, quand vous avez un disque qui fait, je sais pas, 500 gigas, en fait, dans le SSD, vous n'avez pas 500 gigas d'équivalent en puce électronique, mais vous en avez bien plus que ça. Et il y a des cellules qui sont utilisées que quand il y en a certaines qui sont mortes, d'autres viennent prendre le relais. Donc vous avez plus en nombre de cellules utiles de stockage que ce qui est indiqué, mais il y en a des en réserve, quoi. Et on compte à peu près, je crois c'est 1 million de cycles. Non, 1 million, je sais plus, il y a une théorie sur le nombre de cycles d'écriture. Mais ça, c'est des sujets que je maîtrise un peu moins, donc je ne peux pas forcément vous en parler avec grande précision. Mais oui, les SSD, les cartes SD, les clés USB, certes c'est du stockage flash, mais ça s'use, et les clés USB et cartes SD sont de moins bonne facture que les SSD. Et les SSD, après, il y a différentes puces électroniques. Il y a les SLC, les DLC, les TLC et les QLC, et qui sont le nombre de cellules qu'il y a dans chaque puce. Voilà pour la petite parenthèse SSD stockage. Alors Samy, j'ai noté le truc. À mon avis, ton problème de disque, ça vient de KDE. Donc les SLC, c'est les puces qui coûtent le plus cher puisque tu as une cellule par puce. Là où les QLC, Q comme quad, bah t'en as 4 par puce. Donc le plus courant, c'est des SSD avec de la TLC. Où il y en a 3. Alors, je n'y avais pas pensé. Alors, si ta clé USB, elle est en USB 2, en EXT2, le seul avantage, je mets des guillemets, c'est qu'en EXT2, tu n'as pas de journal. Donc, forcément, le système du fichier stocke moins de choses dans un journal qui provoque de l'écriture. Bon, par contre, si le système s'arrête vite fait, tu peux corrompre les fichiers. Après, il y a des astuces pour optimiser quand même. Pour optimiser, si tu. Alors, tu n'as pas la possibilité avec Ubuntu, hein, mais c'est ce que j'ai fait avec Gentoo sur le PC portable du boulot. J'ai une Gentoo qui est installée sur une carte SD pour pouvoir démarrer un système Linux et avoir des outils indépendants de ce qui est installé sur mon système Windows. J'ai utilisé le système de fichiers F2FS, même s'il est optimisé pour des. Pour les. Du SSD Samsung à la base, mais c'est un petit peu plus optimisé pour j'allais dire du stockage électronique. Mais si tu as la possibilité d'utiliser TMPFS, c'est ce que font certaines distributions, slash TMP, il est en TMPFS. Ça veut dire que c'est pas stocké physiquement sur le disque, mais c'est stocké dans la RAM. Et donc tu éteins ton système, tu le rallumes, c'est perdu. C'est le but de TMP. Et ce que tu peux faire, ben, si sur ton système tu veux économiser de l'écriture, tu peux stocker tes logs soit dans TMPFS, de manière à ce que les logs ne soient pas écrits sur la clé USB, mais soit dans la RAM. Et voilà, comme ça n'use pas les puces électroniques de la clé USB. Ou alors tu peux carrément désactiver les logs, désactiver les trucs qui servent à rien, quoi, pour avoir un système qui écrive le moins possible. Parce que qui écrit moins, use moins.
Donc voilà un petit peu tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'avais pas préparé bien grand chose au niveau sujet, parce que je savais que j'allais encore, comme le mois dernier, me disperser et parler un petit peu d'autres choses avec vous par le biais du chat. Juste une petite note humoristique. Hop, je vais mettre à la fin, parce que je vais mettre les liens dans le replay, là, que vous ayez quand même ce dont on a parlé au niveau ressources. Mais petite anecdote, j'ai vu ça sur le site développer.com. Ce petit billet assez sympa, mais selon un rapport du Google Project Zero, les développeurs Linux corrigent les failles de sécurité plus rapidement qu'Apple, Google ou même Microsoft. Donc ça, c'est un avantage du monde du libre, hein, c'est que le code est donc ouvert et que n'importe qui voit une vulnérabilité peut pousser le code directement. Donc ça, c'est top. C'est une excellente nouvelle. Au moins, on a des systèmes... Je ne dis pas qu'on a des systèmes qui sont plus sécurisés, mais le code étant disponible, celui qui repère la faille peut l'indiquer rapidement, peut la corriger s'il en a les compétences. Donc ça, c'est assez fun. Ouais, faut voir sur l'idée. Raspberry, alors j'ai pas de Raspberry. Je voulais m'en acheter un, et puis je vais me rendre compte que, à nouveau, je veux pas avoir du temps à y consacrer. Donc, j'ai pas de Raspberry. Je sais pas, par défaut, quand ça s'installe sur une carte SD, si ça utilise S2FS, ou si ça utilise de l'EXT4. Je n'ai aucune idée. En tout cas... Moi, je sais que le système Gentoo qui est installé sur la carte SD en F2FS, il fonctionne bien. Hein. Mais après, est-ce qu'il aurait fonctionné aussi bien avec de l'EXT4? Probablement que oui. Je pense que les performances sont vraiment significatives si on fait des accès en écriture répétée ou des choses comme ça, des choses très très pointues et qui demandent de la ressource. Mais pour un usage classique... À la limite, ton système, au lieu de démarrer en 24 secondes, il va démarrer en 23 secondes 50, quoi. Bon. Voilà. Donc, à voir. Samy, la commande BS pour block size fait que la commande DD, la commande que j'ai lancée tout à l'heure avec DD, avec IF. Dev urandom, donc input file urandom, il prend des informations aléatoires et il va OF output file écrire dans un fichier. Et par défaut, dès qu'il a la possibilité de d'écrire ce qu'il a lu d'un côté, il le fait. BS4M, ça veut dire que DD va aller écrire à chaque fois qu'il y a 4 mégas de données. Donc ça écrit petit bout de 4 mégas et par petit 4 mégas. Et donc, par défaut, DD, je ne sais pas au bout de combien de temps il va écrire, mais si tu écris de 4 mégas en 4 mégas, ta clé USB est probablement plus efficace que d'écrire de 100 mégas en 100 mégas. Tu peux essayer d'ailleurs, à la place de mettre 4M, de mettre 1G pour 1 giga. Et ça va écrire... de 1 giga en 1 giga, et tu verras que ce sera probablement beaucoup plus long. On pourrait se dire, bah oui, mais si on écrit giga par giga, ça va aller plus vite, parce qu'on écrit moins souvent le fichier original, enfin en tout cas ce qu'il y a dans le IF. Ouais, on écrit moins souvent, mais on écrit plus gros. Voilà. Alors, Raspbian utilise deux partitions, une VFAT pour le boot... et une EXT4 pour le système. Je sais pas pourquoi ça utilise du FAT. Je sais pas comment ça marche l'amorçage de l'UEFI. Mais boot, normalement, ça peut être sur n'importe quoi. Hein. Dans le cadre d'un UEFI, il y a juste boot EFI qui doit être en FAT hein, pour stocker le fichier EFI. Mais pas tout boot. Hein. Donc sur Raspbian, oh, peut-être que c'est pour se simplifier la vie, hein, mais... On voit des fois hein, dans des tutos, et ça me fait bondir un peu,
Dans des tutos, tu vois faire une partition de 1 giga en FAT32 et monter boot dessus. Bah non, dans boot, il n'y a pas que. Dans boot, tu vois, si on va dans boot là. Bon, je suis sur le serveur, mais c'est pas grave, elle est stirée, elle. C'est de l'UEFI. Hein. Tu vois, dans boot, il y a tout ça. Il y a les fichiers de config du noyau. On s'en fiche, peu importe. On a le initramfs, on s'en fiche. System map, on s'en fiche. On a le noyau Linux. Bon, très bien. Si c'est stocké sur du FAT, si jamais le système de fichiers ne se ferme pas bien, bon, autant utiliser un système de fichiers officiellement supporté sous Linux, natif Linux, qui permettent la réparation facile avec les outils. Après, dans Grub, on a tous les fichiers de configuration de Grub. Grub, c'est lire de l'ext4, du FAT, plein de trucs. Il y a juste là le fichier EFI qui doit être sur une partition FAT32 parce que l'UEFI ne sait lire que des partitions FAT32. Après, le reste, que ce soit sur du FAT, en plus, l'inconvénient du FAT, d'ailleurs là, si on va dans edf-ht, voilà, tu vois, ici, boot EFI, si je vais dans boot, bon, j'y suis déjà, hein, EFI, je fais un ls-l, et que je vais dans EFI à nouveau, ls-l, bon, je tiens tout, ok, quand on est sur un système en FAT32, les permissions Linux sont quand même pas superbement bien lues, bien exécutées, bien, bon, voilà. Hein, donc, vaut mieux rester. Le danger d'avoir un boot en FAT32, c'est que les permissions Linux sont pas vraiment bien respectées, quoi. Après, le bug de FAT en 2107, on a le temps de mourir. Il y a déjà avant, il y a déjà les systèmes 32 bits et le bug de 2036 là, qui va nous importer. C'est quoi la différence entre le BTRFS EXT234? BTRFS, alors, si je devais insulter BTRFS, je dirais BTRFS, c'est le système D des systèmes de fichiers. Non, BTRFS, ça fait plein de choses. Ce n'est pas qu'un système de fichiers dans le sens il stocke des fichiers, parce qu'un système de fichiers, il est là pour stocker des fichiers. BTRFS, ça fait plus que ça. Tu vas pouvoir faire du RAID avec. C'est directement inclus dans BTRFS. Tu vas avoir des notions de snapshot, de compression des fichiers, etc., etc. Donc, typiquement, tu peux, avec le système de fichiers BTRFS, utiliser 3 disques et puis dire « je veux du RAID 5 » et donc redonder sur ces 3 disques tes données, de manière à ce que tu peux éventuellement perdre un disque sans perdre tes données. Donc, après, BTRFS a des fonctionnalités avancées que EXT234 ou XFS n'ont pas. Voilà. Après, si tu veux faire du RAID avec EXT234, tu as la possibilité d'utiliser soit LVM, soit MDADM. Après, dans les autres choses assez intéressantes chez BTRFS, je dis bien intéressantes avec des guillemets, avec BTRFS, tu peux agrandir le système de fichiers à chaud, c'est-à-dire pendant qu'il est en train de fonctionner, et tu peux le réduire à chaud aussi. Pendant qu'il est en train de fonctionner, tu peux réduire la partition. Là où EXT34, tu peux l'agrandir alors qu'il est en fonctionnement, par contre, si tu veux le réduire, tu es obligé de le démonter. Donc chaque système de fichiers a ses particularités. Et si on va chercher les particularités, tu les retrouves ici. Alors, hop. Il y avait un tableau, liste des systèmes de fichiers, voilà, sur Wikipédia. Non, il n'y a que ça. Regarde, on va se mettre en juxtaposition les deux. Hop là. Mais là, tu vas voir les caractéristiques différentes entre les deux. Tu vois, tu as des limitations qui sont plus techniques. Hop, voilà. Ici, la taille maximale d'un fichier, c'est 32 Tera sur EXT4. Là où BTRFS, qui forcément est plus jeune, la taille maximale d'un fichier, c'est 16 EIO. Donc, c'est des milliers de Tera, hein, je pense.
Tu vois, nombre maximal de fichiers sur un système de fichiers EXT4, tu peux avoir 4 milliards de fichiers, pas plus. Au-delà, c'est plus supporté. Là, tu peux en avoir 2 puissance 64, donc ça fait beaucoup. Voilà. Une partition peut aller jusqu'à 16 Tera en EXT4, là où en BTRFS, tu peux avoir des volumes extraordinairement grands de 16 EIO, donc exio-octets, je pense. Voilà, tu vois, dans BTRFS, il prévoit d'avoir du chiffrement intégré dans le système de fichiers, ce qui n'est pas prévu pour XT4, par exemple. Donc, si tu veux aller jeter un petit coup d'œil et aller voir un peu les différences sur les systèmes de fichiers, tu peux tout à fait aller voir sur Wikipédia, ça dégrossit un petit peu les fonctionnalités et ce qu'il y a. Bon, c'est Wikipédia, d'accord, mais c'est assez simple et pas trop complexe pour comprendre un peu la base et ce que permettent de faire les systèmes de fichiers. En tout cas, les deux cités ici, BTRFS et EXT4. Voilà. Toi, plage de date, ce que tu dis là, la plage de date ici, elle va du 14 décembre 1901 au 25 avril 2514. BTRFS, il gère les dates, je sais pas quand, quoi. Comment. Et tout à l'heure je me suis trompé, c'était chiffrement, je voulais parler de compression. Là la compression est opérationnelle dans BTRFS, pas dans XT4, hein, pas le chiffrement, la compression je voulais dire. Voilà, alors hop, on en est où là ? Après BTRFS c'est plus rapide en écriture, ça dépend. Ça dépend comment il est. Ça dépend quel est le stockage. Ça dépend. J'avais fait une vidéo avec un test sur HDD et sur SSD. Ouais, BTRFS était sensiblement plus rapide sur HDD par rapport aux autres systèmes de fichiers. Par contre, sur SSD, c'était kiff-kiff, quoi. Voilà. Ouais, on aurait pu saluer Serge, Samy, mais Serge n'est pas là. Serge, il est où ? Pas là. On parle pas de... Attends, je vais prononcer le mot magique pour que Serge arrive. Slackware. Et Serge va arriver dans 2 minutes, tu vas voir. De rien, hein, David, j'essaie de partager ce que je peux et dans la mesure du possible. Androtech, ouais, non, BTRFS, ouais, bon, ouais, vite fait, BTRFS, c'est comme NTFS sous Windows, oui, pour agrandir et réduire en cours d'utilisation. Après, bon, ça permet de faire plus de trucs. Hein. BTRFS, j'entends. Sous Windows, t'as pas de compression intégrée dans le système de fichiers. Par exemple, tu peux pas faire... si, tu peux peut-être faire du RAID en transformant les disques en dynamique. XFS ne permet pas de réduire la taille, non, et ça permet pas de réduire du tout hein, la taille. Même à froid, rien du tout, si c'est trop grand, c'est trop grand. Sudo Linux, j'ai fait des vidéos sur des vieux systèmes dans la liste de lecture qui s'appelle... Hop là, qui s'appelle Informatique Vintage. On va essayer de la retrouver, voilà, Informatique Vintage. Mettre l'onglet en sourdine, hop là, voilà. Donc j'ai parlé là-dedans, il n'y a pas grand-chose, tu vois, il y en a 7. J'ai parlé de Windows 3, Excel 4, des jeux DOS, etc. Bon, c'était un peu pour le fun. Ça, c'est les jeux que je jouais quand j'étais gamin. Voilà. Et puis j'ai fait une vidéo sur Mandrake 10. Alors c'est vieux, hein, j'ai fait la vidéo en 2017, mais... C'est pas mal, Mandrake 10, voilà la tronche de Mandrake. Alors bon, en 2017, la qualité des vidéos, elle n'était pas aussi bien que maintenant. Donc j'ai parlé déjà de Mandrake 10, j'ai parlé de Fedora Core 3. Pareil, j'avais fait ça quasiment au même moment, donc on est dans le même ordre d'idées avec des vidéos où c'est tout petit et tout. Et j'ai parlé de Ubuntu 4.10 aussi. Voilà, j'avais fait une petite série en 2017 sur des vieux systèmes. Donc ça, je l'ai déjà fait, tu vois, voilà, première version d'Ubuntu.
J'avais parlé de Calculate Linux en faisant une petite review de toutes les versions de Calculate Linux qu'il y a eu. J'ai parlé de Ubuntu quand on pouvait l'installer, et ça c'était ma première expérience avec Ruby depuis Windows XP. Depuis Windows XP, on pouvait installer Linux directement avec le programme Ruby. Donc j'en ai parlé en 2019, voilà. Et puis j'ai parlé de CentOS 3 quand c'est sorti en 2004, voilà. Avec l'installation et tout le bins que c'était à l'époque pour installer. Et si tu veux qu'on parle d'un vieux système, regarde, je reviens sur Proxmox, et là il y a une petite VM qui est prête là pour une vidéo. Attends, je vais regarder, mais je crois que j'ai fait un snapshot avant. Ouais, install, ok. Regarde, ça c'est énorme. Regarde, c'est énorme. Test F1, à ton avis, test F1, c'est quoi? F1 comme Fedora 1. Voilà, j'ai installé Fedora parce que je prévois de faire une vidéo sur quelque chose de bien particulier. Donc j'ai installé cette Fedora. J'ai installé cette Fedora 1. Voilà. Yeah. Fedora Core, première version de Fedora. On va la démarrer. Waouh. Alors, hop, Adrien. Pas ce qui va bien. Non, qui va pas bien. Donc ça doit être le mot de passe un peu plus long. Celui-là, yes. Voilà. Ouh là là. Donc j'ai vérifié quand même que j'ai fait le snapshot avant. Voilà, paramètres système. Alors, je vais regarder si on peut mettre autre chose en affichage. Je sais même pas comment on règle l'affichage. Préférence. Arrière-plan. Ça se trouve, on peut même pas. Je pense qu'il faut aller taper dans le fichier xorg.conf. Hein. Waouh. Génial. Hein. Économiseur d'écran. Ouais, non. Résolution de l'écran. C'est là. J'ai même pas l'embarras du choix. J'ai 800 par 600, 640 par 480. J'ai le choix que de ça. Hein. Ok, donc on est déjà à la résolution d'écran la mieux. Hein. Donc Fedora Core 1, c'est je sais pas quand. Fedora Core. Attends, tiens, on va aller regarder. Et après, c'est toujours un défi technique hein, de. Ah bah tiens, ça marche enfin. C'est toujours des défis assez techniques et rigolos de virtualiser des systèmes qui sont vieux comme pas possible. Fedora Core. C'est quoi la date? Non, c'est pas du KDE2. C'est du GNOME. C'est du GNOME. C'est vrai que c'est GNOME 2.4. Alors, dans cette VM, petite anecdote, j'ai supprimé la config de GNOME et j'ai relancé ici le système. Et donc visiblement, la configuration par défaut de GNOME, c'était ça. Donc c'était pas avec la barre en haut et la barre en bas comme on avait dans GNOME 2.32 là. Je vais essayer de vous reprendre. Fonctionnalité. Je suis en même temps hein, sur le téléphone. Fedora, alors distribution. Liste des versions de Fedora. Voilà, donc Fedora Core 1. Ça date de quand? Du 6 novembre 2003. Voilà, 6 novembre 2003. Donc en 2003, bah, ça c'est marqué là. Septembre 2003, là, le GNOME 2.4. Donc GNOME 2.4, voilà. Navigateur web. Wow, c'est pas ça que je voulais lancer. La souris saute un petit peu. Navigateur web à l'époque, il s'appelait Mozilla, il s'appelait pas encore Firefox. À propos de Mozilla, voilà, Mozilla 1.4.1. Ok. Donc en 2003, j'avais 12 ans. Voilà, je m'intéressais pas encore à Linux. Je m'y suis intéressé en 2008.
Voilà. LibreOffice, enfin non, OpenOffice, pardon, je ne vais pas dire LibreOffice, OpenOffice, version 1.1, voilà. Donc voilà avec quoi on pouvait travailler en 2003. C'est pas mal, hein? Et alors, je vous passe l'installation. Parce que l'installation de Fedora Core 1, alors bien sûr, le disque est en IDE, etc. Mais c'était quand même chaud patate, hein, parce que j'ai installé ma machine, puis après j'ai dit, oh bah non, je vais me mettre en affichage Spice là. Bah ouais, bah au moment où j'ai passé l'affichage Spice, mon interface graphique, elle démarrait plus du tout. Hein. Ça ressemble à Windows XP. Bah là, en 2003, on était avec Windows XP, ouais. Donc c'était l'ère de Windows XP aussi. Donc forcément, les interfaces graphiques se représentaient, essayer de se rappeler un petit peu de tout ça, quoi. Tu vois, extracteur de CD audio aujourd'hui. On n'a plus trop d'extracteurs de CD audio, quoi. C'est pas mal. Donc dans Internet, on doit sans doute avoir des outils GFTP. C'est un client. Hey, regardez la description. Client FTP multithread. Attention, waouh, génial. On utilise des trucs multithread. Ouais, vous voyez la tronche du truc. Dingue. Dingue. C'est Fedora Core 1. Tiens, regarde. Oh mince, c'est pas ça que je vais faire. Bah tiens, il y a les release notes là, ok, super. Je vais lancer un terminal, mais tu vois, c'est vrai que l'écran saute un peu. Alors, le terminal, on va le trouver dans les accessoires, je pense. Non. Hé! Hey. KDE PrintFax. Ouais. Alors, Fireroller, j'ai essayé dans l'impression. Attends, je sais pas où il est. Hé! Hey. The Gimp. The Gimp. Regardez-moi l'interface de The Gimp. On n'avait pas les fenêtres, on n'avait pas les fenêtres, la fenêtre unique là, comme on a maintenant, c'est arrivé vachement tard sur Gimp. Comment veux-tu utiliser ça là? Alors c'est sûr qu'en 2000, en 2003, mon oncle était photographe et donc j'ai vu sur son Windows XP à l'époque, hein, il avait Photoshop. Bah t'avais Photoshop, c'était quand même beaucoup plus simple. T'avais une fenêtre, il n'y avait pas toutes ces boîtes à outils là. Comment tu veux faire ça? The Gimp n'était pas du tout ergonomique. Ah voilà. Terminal. Ah oui. Double clic sur la barre, ça fait ça. Hop. Unem-A. Noyau 2422. Extraordinaire. Et si je fais un petit LSB release, il n'existe pas la commande. Donc on va faire un petit cat etc Red Hat release. Voilà. Fedora Core release 1. Yarrow. Fou, hein. Fou, hein. Ouais. FTP multithread. Truc de fou. Sudo tiret i. La commande tiret i, elle n'existait même pas à l'époque. Génial. Yum update. Bon, voilà, bah ça marche plus, hein, évidemment. Ça marche pas. Et puis en plus, dans tous les cas, même si ça fonctionnait. Je crois que le réseau fonctionne par contre. Hein. Ouais, le réseau fonctionne. Génial. Bon, enfin bon, voilà, hein, c'était petite anecdote. Je sais plus pourquoi on s'est amené à parler de ça, mais voilà, gestionnaire de fichiers Nautilus. Enfin, je sais pas s'il s'appelait comme ça, ouais, Nautilus. Waouh, génial. Ça claque. Hein. Ça donne envie d'utiliser. Hein. Ah, puis tiens! Regardez, voilà, le problème c'est que quand on est dans des vieux systèmes comme ça, c'est fun, mais on va faire un truc. Regardez ce qu'on va faire. Là, vous allez halluciner, je pense. Ah mince. Regardez ce qu'on va faire. On va faire un truc. On a une interface graphique. Hein. On a une interface graphique free. Alors je vais regarder là, juste les commandes. Ok. Donc free-m. Free-m. Ah.
C'est vrai. Voilà, avec l'interface graphique GNOME, 338 mégas utilisés. C'était assez lourdingue quand même. Ouais, pas de son. Pas mis de son. 4 bureaux. Fou. Hein. Enfin, voilà. Le noyau, on a vu tout à l'heure, une M-A de 422. Voilà. De 422. Ça laisse rêveur. Et donc, le système de fichiers, c'est de l'EXT, je sais pas quoi. Mount. EXT3. Il n'y avait pas de EXT4 à l'époque. Voilà. Avec les disques HDA, hein, pour les disques en IDE. C'est fou. C'est fou. Voilà, t'as pas de système D. Hein. Tu devrais essayer d'utiliser plus gameplay. Il y en a un FCD sorti en 94. Par contre, il faudra PCEM pour le faire fonctionner. Ah, ok. PCEM n'y est pas installé. Tu vois, là, je suis avec de la virtualisation classique. Mais c'est fou quand même. Démarrer ici, je sais même pas ce qu'il y avait. Puis en plus, quand tu regardes, tu te dis, waouh, comment on peut changer l'arrière-plan du bureau? Bah, t'as pas grand-chose, hein. T'as juste ça. Ouais, super, l'interface du truc. Ah, si, on a quand même une prévisualisation. Oh, les photos. Ouais, quand même, il y a des belles photos, parce que par rapport à Windows XP, où les photos, elles étaient pas top, là, on a quand même des trucs pas trop mal, hein. Ladybugs. Ah, tiens, on a des trucs jolis. Par rapport au fond d'écran de collines verdoyantes de XP et tout. Ah, des trucs vraiment chouettes. Voilà. Vraiment cool. Vraiment cool. Petit instant nostalgie, voilà, je me suis... La première distro que j'ai vraiment utilisée, ouais, c'est Mandriva 2008. Première distro que j'ai vraiment utilisée, Mandriva 2008... 2008 Spring, pour être plus précis. Là, dans Fedora, il n'y a pas de son, donc je peux pas. Je peux pas. J'ai pas mis de carte son, donc je sais même pas s'il y a un son au démarrage. Mandriva, est-ce qu'il y avait un son au démarrage de Mandriva? Je sais plus. Et tu crois qu'on peut aller récupérer vite fait une Mandriva, là? On va finir là-dessus. Je vais aller voir vite fait. J'ai pas gardé, c'est sûr. Je n'ai pas gardé. Alors, hop, mirror. Est-ce qu'on a... Je suis pas sûr qu'on ait des trucs de Mandriva là-dessus. Non. Mandriva. J'ai open Mandriva. Mandrake Linux. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? ISO. Non, on n'a pas. Mandriva. 2008.1 Spring ISO. On va aller voir si on peut récupérer ça. Ça peut être marrant. On a quelque chose. Ouais. What Mirror. On n'a pas le DVD, non, on a que les CD. Puis moi j'étais en 64 bits. Hein. C'est pas en 32. Il y a peut-être ça sur Distrib. Coffee, Jussieu. Non, on va regarder. Distrib, Coffee, Jussieu, attends. On va aller regarder. Hop là. On va aller voir si on a ça. Hop. Alors, Mirror. Non, c'est pas là-dedans. Linux. Mandriva Linux. Official. Tiens, gâte donc. 2008.1. Ah non, on n'a pas ça. ISO. C'est le gars, il est à fond dans son truc. ISO 2008.1. Voilà, je vais prendre le DVD.
Par contre, le seul truc qui était bien chez Mandriva, c'était les graphismes. CD1. Non, je vais peut-être prendre que le CD1 parce que. Non. DVD. Attends, je vais prendre le live. Alors, bien sûr, je vais faire la même bêtise que j'ai fait quand j'ai connu Mandriva. J'ai pris Gnome. Moi, j'ai pris Gnome à l'époque parce que, hop, Gnome était avant KDE dans la liste. Ça, je le raconte assez souvent. Asia Extra Int. Je pense que celui-là, il est bon. Copier l'adresse du lien. On va les récupérer. Download. Hop. Le problème, c'est que Jussieu, ils ont pas un débit extraordinaire. Ça va. J'ai rien dit. Je vais vous prendre le Gnome. Copier l'adresse du lien. Bon, c'est pas du 64 bits, mais. Peu importe. Ça fera très bien l'affaire. Hop. Tac, tac, hop. Voilà, tant que ça télécharge, je vais mettre 908 test MDV. On va juste faire un petit test comme ça vite fait. Donc, Mandriva Linux Spring KDE. Pas du EFI. C'était pas géré à l'époque. On peut mettre du SSD. De toute façon, c'est là, je vous ai pris le live. Hein. Je vous ai pris le live, donc ça va très bien marcher. Tac. Regardez. On va rester en mode comme ça. Regardez. Franchement, c'était chouette. Ouais, le DVD, par contre, c'était pas un live, donc je me tape pas l'install quand même. Merde. J'ai oublié de le mettre en français. Bon, je recommence. Hop, F2. F2. Français, voilà, amorcé. Les graphismes étaient vraiment chouettes chez Mandriva quand même. Proxmox, je trouve ça génial. Je ferai peut-être un retour en vidéo, je sais pas, dans une vidéo spécifique, mais ça marche super bien. J'en suis super content, juste pour faire mes tests. Mais je crois que graphiquement parlant, la 2010, elle était géniale, quoi. Alors, French, ah oui, ok. Les curseurs de souris sont un peu décalés, c'est pas grave. Alors, attends. Ça, c'est le problème. Suivant. On s'en fout. Pas d'effet de bureau. J'aurais pu activer Compiz et tout. Regarde. Tu vois, l'écran de démarrage. Bon, là, ça va trop vite parce que on est sur un système performant, mais. C'était super chouette. Conqueror à l'époque. Donc, ça, moi, je ne l'ai pas connu avec KDE, mais je l'ai connu avec Gnome, hein, la Mandriva. Donc là, hop. Multibureau. 4 bureaux, le menu à la KDE ici. Franchement, le thème, il était super chouette, quoi. Et surtout, c'était ça qui était génial. Configurer votre ordinateur, le CCM, là, centre de contrôle de Mandriva. Panneau de config, t'as plein de trucs, tu vas configurer les effets du bureau 3D. Alors, je sais pas si ça va marcher dans la VM, hein. J'ai pas mis d'accélération 3D. À mon avis, là, on est bon pour que ça plante, je pense. Déconnexion. On va essayer avec Gnome. Mais ouais, le côté graphisme, c'était génial. On va regarder si les bureaux avec Compiz, là. KDE est prêt. Ouais, bon, ça lague un peu les graphismes, tu vois. Les multibureaux, configurer les bureaux virtuels. Je sais même plus où est-ce qu'on paramétrait le fait d'avoir le bureau en cube et tout ça. Il y avait des trucs, c'était génial, quoi. Là, je vais vous montrer vite fait la version Gnome. C'est avec celle-là que j'ai connu.
Alors pour que ce soit un peu plus agréable, on va faire c'est pas ici. Je vais passer en spice. Ok. Toc. Hardware. On va basculer. Je vais vous mettre. Donc ça, c'est celle que j'ai utilisée. C'est la première que j'ai utilisée avec Gnome. Voilà, parce que sur le site à l'époque de Mandriva, Gnome G était avant K. Hein. G de Gnome avant K de KDE. Donc forcément, bah Adrien, il a pris Gnome avant KDE. Voilà. Donc voilà avec quoi j'ai commencé. Et là, je me demande, je crois que c'est la 2000, la 2009, elle était pas mal. 2009.1, non, elle était pas top. C'est la 2010. 2010. 2010, c'était vraiment l'aboutissement de quelque chose de bien. Attends, on va aller ISO, 2010. 2011, c'était tout pourri. Par contre, la 2010, c'est là que j'ai appris à utiliser avec KDE. Donc Europe Americas. Copier l'adresse du lien. On va aller récupérer ça vite fait. Tac. Hop là. Le temps que ça télécharge. Donc voilà. Hop. Hop. Accepter. Donc voilà à quoi ressemblait le GNOME 2, le premier environnement de bureau que j'ai eu à faire. On va activer Compiz Fusion Direct. Voilà. Waouh. Génial. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Poste de travail. Donc là, par contre, les tours de fenêtre, ils sont pas arrivés. C'est un petit bug avec avec Compiz. Là, j'ai pas le haut des fenêtres. Bizarre. Mais les fonds d'écran, ils étaient vraiment superbes. Voilà. Texte LibreOffice. Ouais, il y a un bug avec Compiz. J'ai pas le tour des fenêtres. De fou. Et ça a été vraiment le premier système que j'ai utilisé. Alors hop, attends, cube desktop cube. Attends, je vais juste essayer de mettre une résolution d'écran un tout petit peu plus grande. Je dois avoir quand même de quoi faire. Résolution d'écran. Ah non, je peux pas. Je peux pas, j'ai pas les pilotes. Ok. Administration. Je suis paumé dans mon truc là. Outils. Compiz Fusion. Il y avait une case à cocher pour avoir les fenêtres. Attends, je sais plus où c'est. Je vais essayer de retrouver. Hein. Je sais plus où c'est. Annoter, mini-fenêtre. Je me rappelle avoir eu ce bug. Une fois. Animation. Je sais pas si ça marche. Là, voir. Non, là, c'est un peu buggy mon affaire là. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller avec une version un tout petit peu plus récente, là la version 2018, ça n'existait plus. Hop. R, hop. C'est bon, on va lancer. Attends, ça je vais l'arrêter. Stop, yes. Stop, yes. Et stop, yes, tac, tac. Tu vois, finalement, c'est quand même bien fonctionnel, hein. Proxmox, tac, tac, tac. Ok, voilà. Regardez-moi ce démarrage. Merde. Regardez-moi ce démarrage. Je vais juste me mettre en français, language français. Regardez-moi l'écran de démarrage. Je me rappelle comme si c'était hier. Regardez comme c'était beau. Il y a le truc qui tourne et on voit la fleur arriver
avec le... Tu vois, plus le système charge, plus la fleur apparaît sur l'écran de démarrage. C'était beau, ça. C'était beau. Tu vois, le système démarre. Alors, certes, tu peux faire échappe pour avoir le... ça, là. Mais quand tu avais le truc graphique, plus le système chargeait, plus le graphisme sur l'écran de démarrage apparaissait. Et franchement, ça, en 2010, par rapport au logo de Windows 7 qui ne faisait que un effet bizarre, tu vois, c'est... franchement, ça claque, quoi. Le thème, ça, c'est des trucs que j'ai vraiment adoré chez Mandriva. Et entre Ubuntu et Mandriva, pour me décider entre les deux, j'ai pris Mandriva pour la simple et bonne raison, parce que c'était bleu et les graphismes étaient jolis. Regardez ça. La fleur, elle arrive. Bon, là, les effets, c'est juste que j'ai pas toutes les couleurs. Regardez, c'est chouette quand même. Le fond d'écran et tout. C'est beau. C'est beau. Moi, je trouve ça beau. Hop, voilà. Alors, je dois pas avoir les pilotes vidéo. J'aurais peut-être dû me mettre en pilote VMware. Parce que tu vois, là, j'ai pas l'embarras du choix. Mais d'un point de vue affichage, le thème était chouette, quoi. Apparence. Donc, le thème, c'était Yaora, là. Hein, un truc vraiment spécifique à Mandriva. Un thème développé par Mandriva. Alors, mais tu l'avais pas en thème sombre. Tu avais des thèmes sombres. C'était un peu moche à l'époque. Hein. Celui-là, à la limite. Mais regarde, les thèmes sombres, comme c'était moche à l'époque. C'était vraiment moche. Modèle par défaut. Je vais l'activer. Voilà. C'était beau, là. Tu vois, avec les dégradés, les couleurs, les trucs. Enfin, c'est génial, quoi. C'est génial. C'est génial. Là, le menu, il était sympa. Donc là, à l'époque, sur Mandriva, le temps d'apprendre un petit peu comment fonctionnait Linux, c'est là que j'ai commencé à utiliser KDE. Et là, vraiment, KDE, je sais pas quelle version c'est, à propos de KDE, c'était KDE 4, hein, KDE 4.3. Là, KDE 4, il était mature, il était fonctionnel, quoi. Ça donne envie, quoi. Ça donne envie. C'est vraiment chouette. Et quand tu quittes, pareil, quand tu éteins l'ordi, c'est pareil, le fond s'en allait en dégradé. Je sais pas si j'ai balancé l'extinction, si voilà. Non, allez, quand tu veux. Voilà, hop. Le système s'éteint. Et je crois que la fleur... Ah non, la fleur s'éteint pas. Attends, je vais essayer avec un affichage VMware. Ce sera peut-être mieux. Hop, hardware. VMware compatible. Je pense que ce sera mieux. Hop là. Ouais, voilà. Les dégradés sont bons. Regarde, tu vois, la fleur, je grossis. La fleur apparaît. C'est rigolo. La fleur apparaît au moment où ça boot. Franchement, ça, c'était... Regarde, aujourd'hui t'as pas un système qui est chouette comme ça. Alors moi je m'en fiche, hein. Mon système Gentoo, j'ai les lignes qui s'affichent au démarrage et j'ai même plus le temps de voir le système démarrer avec les SSD. Mais franchement ça claque, quoi. Aujourd'hui dans les systèmes qu'on a, on a Fedora, c'est le petit logo F qui se remplit puis ça s'arrête là. Il y a plus de trucs. Là c'était chouette, moi je trouve que. J'étais bluffé. Next. Accepter. Ok. Paris. Hop. Est-ce que je peux mettre les effets 3D là? Je sais pas. Attends, on va essayer. Vu qu'on est en mode VMware.
Ok. Hop, je vais essayer d'activer les effets 3D. Hop. Système, c'était où? Instantané, ça c'est un outil qui a jamais marché, qui plantait tout le temps chez Mandriva. Alors, matériel, hop là, configurer les effets 3D. Ah bah là, on pourra rien installer. On peut plus rien installer. Alors attendez, on va essayer un truc. T'es le gars, il est à fond dans son Mandriva là. On dit toujours que c'était mieux avant. Fou. Je vais remettre ma Mandriva 2008, on va essayer. On va essayer de remettre Mandriva 2008. C'était lequel que j'avais testé tout à l'heure, Gnome. Hein. Gnome. Feu. Hop. Allez, c'est reparti. F2. Il y en a beaucoup qui disent que Mandriva 2008, c'était la meilleure. Ouais, je me rappelle, ouais, je l'ai pas montré, ce petit plasmoïde qui était là-haut, là, et truc que tu pouvais jamais virer, enfin si, moi, je le mettais en bas, là, ma barre, c'est pour, je mettais derrière la barre. Mais voilà, tu vois, ce genre de système, ça me fait rire, quoi, toi, tu faisais échappe, t'avais quand même, et tu vois, même le démarrage, là, c'est pas écrit en blanc sur un fond noir, t'as quand même les trucs derrière, enfin, c'est, allez, hop, next, donc tu vois, là, mes curseurs de souris, ils sont décalé, c'est chiant. Français. Tac. Ok. Donc là, j'ai pas les effets 3D. Hop. Alors, ouais. Là, c'était chiant. Parce que tous les trucs s'ouvraient. Là, tu ouvrais le gestionnaire de fichiers. Hop, ça te faisait une autre fenêtre. Alors, il y avait une astuce. C'était dans les préférences. Tu lui disais... comportement, il y a un truc parce que je détestais ces petites fenêtres. Je sais plus où ça se réglait ça. Bon bref, peu importe, c'est pas grave. Tu vois là, mes curseurs sont décalés. Hop, donc on va aller dans outils, Compiz Fusion. Les trucs, c'était génial parce que tu mettais les effets. T'épatais tout le monde avec ça. Desktop Cube, je pense pas que ça marche. Non, ça marchera pas là. On n'a pas d'accélération. Ça, c'était les trucs de geek là, tu mettais. Les animations, moi je mettais le feu là. On pouvait mettre le feu. Attendez, vous permettez que je vais aller voir un truc là vite fait. Je vais juste vérifier un truc. Mais je sais plus si j'ai gardé cette vidéo. Parce qu'à l'époque, j'avais fait une vidéo. Alors juste, Ok. Faut pas que je vous foute la musique, parce que sinon... De toute façon, vous l'entendez pas. Voilà, mais à l'époque, j'avais fait une vidéo. Présentation Mandriva 2010 finale, le truc qui date du 15 novembre 2009. Voilà, le 15 novembre 2009, j'avais fait cette vidéo. Ah voilà, c'est bon. Hop. Regardez, j'avais mis les effets à gogo, alors la vidéo, elle est dégueulasse. Hein. Et tu vois, le menu, il s'en va en cacahuète. Là, je ferme, tu vois, t'as plein d'effets. Enfin, c'était les trucs quand j'étais gamin. Là. Tu vois, la fenêtre qui s'en va avec le feu, là. Attends, je te remets. Hop, la fenêtre qui arrive avec le feu. Et là, tu fermes la fenêtre et... Waouh, ça s'envoie avec le feu. Ça envoyait vraiment, quoi. Mais bon, ça, c'était marrant. C'était marrant à l'époque. Bon, maintenant, je me rends compte que
tu vois, les fenêtres qui s'en vont avec le feu, le menu qui font les effets, ça vient comme ça. Quand t'apprends, tu t'es toujours ébahi par les effets, tu te dis, ouais, c'est trop bien. Mais bon, maintenant, toutes les fenêtres qui font des effets, tu vois, regarde, moi, je réduis, ça réduit direct, ça agrandit direct. J'ai plus d'effets à la con, tu vois, comme les fenêtres qui se déplacent en zigzag et tout. Bon, voilà. Ça, c'est rigolo, c'est bien pour épater. Mais ouais, c'est vraiment un système que j'ai vraiment aimé, Mandriva. C'est dommage que ça n'existe plus, quoi. Mais j'ai appris avec ça. J'ai appris avec ça. J'ai découvert Linux avec ça. C'est... Ouais. Voilà. Donc ça, c'est quasiment un des premiers enregistrements que j'ai fait de vidéo. 6 minutes. Voilà. Waouh, génial. Je vais montrer les mises à jour. Bon, il y a juste de la musique, hein, c'est un morceau de Jean-Michel Jarre, mais peu importe. Voilà. Je montre un peu tout ça. Mais il n'y a que de la musique. C'était quand même rigolo. Et les fonds d'écran étaient jolis, quoi. Maintenant, ce qu'on a livré par défaut, c'est pas très travaillé, quoi. Voilà pour la petite anecdote. Hop, vous voyez, je ferme ma fenêtre, ça arrive, ça disparaît. Eh, chut. La fenêtre, elle arrive, elle repart, tu vois, mais j'ai pas d'effet. Enfin voilà, c'est je pourrais en parler des heures et des heures, mais là il va falloir que j'aille quand même me coucher parce que demain ça va être compliqué la journée. Mais voilà, c'était rigolo de refaire un petit saut dans le temps quand même. C'est fun. Donc là ouais, on a pas l'accélération. Peut-être qu'une fois le système installé, il pourrait être peut-être plus réactif, c'est possible. Mais voilà. C'était assez rudimentaire, mais c'était vraiment bien, quoi. J'ai vraiment aimé. Donc voilà la première distrib Linux utilisée sur le PC portable que j'avais. Et quand je suis rentré en BTS en 2009, pour la petite anecdote, et ben en 2009, j'étais le seul à rentrer en BTS informatique avec un système Linux installé sur mon poste. Tout le monde était avec du Windows. Moi, j'étais avec Mandriva. Et voilà. Xclock, ouais, je connais. Bah, il doit être installé d'ailleurs, Xclock là. C'est la petite horloge toute pourrie du serveur X. Voilà. Mais vraiment fun. Merci de m'avoir replongé dans le temps. Je vais virer KDE Néon, plus besoin. Hop. C'était rigolo de revenir un petit peu 10 ans dans le passé. Rappeler des bons souvenirs. Qui l'aurait cru dans ce C'est quoi qui dit que ça aurait fini comme ça. Alors, hop, je vais juste enlever tout ça. Hop, remove, yes, tac, remove, yes, tac, remove, yes. KDE Néon, je l'enlève aussi, on va faire de la place. Voilà. Et puis ma petite Fedora. Je vais restaurer le snapshot. Tac, rollback. Yes. Voilà. Comme ça, je serai bon. Oui, X-Eyes, X-Kill et tout ça, oui. En BTS SEO, j'étais le seul sous Linux, oui. Alors moi, franchement, j'ai fait mon BTS sous Mandriva. En 2011, je suis sorti de BTS, donc j'étais toujours sous Mandriva. Après, je suis rentré en école d'ingé. J'ai commencé avec Mageia. Et puis après, quand j'ai vu que Mageia, c'était pas top, en 2012, j'ai basculé sur Calculate Linux et j'ai fait toutes mes études avec Calculate Linux. Et j'ai utilisé Calculate Linux jusqu'en 2021, où là, j'ai basculé sous Gentoo, ou je pense une bonne fois pour toutes, je sais pas. Mais... ouais, 2012-2021 Calculate. Bah, elle est toujours installée en dual boot, hein, la Calculate. Mais avec Pipewire qui m'ont mis par défaut, c'était pas top du tout. Je pouvais plus enregistrer de vidéo, le son était pas bon, donc ça coupait tout le temps. Donc je suis revenu sur Gentoo. Mais franchement, voilà quoi, c'est... Mandriva serait resté ce que Mandriva était. Je pense que je serais toujours sous Mandriva aujourd'hui, quoi.
Voilà, j'ai vraiment, vraiment bien aimé cette distribution. C'est juste parce que Mageia faisait un peu n'importe quoi que je suis allé voir ailleurs. Mais sinon, ouais, Mandriva serait resté Mandriva, je pense que je serais toujours Mandriva, quoi. Bah, David, j'ai dit tout au début du live, j'ai expliqué un petit peu la position du développeur de Calculate et de la distribution aujourd'hui en fonction du contexte actuel et qu'on peut toujours utiliser Calculate sans aucun souci puisque tout le code est disponible en ligne. Donc on peut aller contrôler qu'il n'y a rien du tout et vu que c'est pas un produit commercial, que Calculate n'est pas vendu comme produit commercial, bah il n'y a pas de risque pour la survie du projet à ce jour. Voilà. Salut Samy. Si tu t'en vas. Là pour le moment, ouais, je vous ferai une petite vidéo sur le retour d'expérience Gen 2 après 3 mois d'utilisation. Sur le fait que je vais rester avec ce système. Et je vous ferai un petit retour, d'expérience, puisque finalement, cette Gen 2, même si ça fait 3 mois que je l'utilise à plein temps, ça fait quand même 2 ans qu'elle est installée sur le poste et qu'elle est maintenue. Hein, donc, voilà. Mais après, ouais, je ferai pas de l'enregistrement de vidéos, de choses un petit peu plus poussées. Soit je resterai sous Calculate, soit pour quelqu'un qui souhaite utiliser un système, je partirai un peu sur une Fedora avec GNOME. C'est un très bon plan. En tout cas, le gars qui travaille en informatique avec moi, il a installé une Fedora, il en est super content, quoi. Voilà. Sur ce, on va pas tarder de se quitter. Hein, Ah, Raphaël, tu me poses une question, je pense, mais je ne sais pas comment ça se passe pour ce genre d'expérience de distro à distro. Tour virtualisation au bar métal. Je comprends pas trop la question. Salut Snowy, on va pas tarder hein, de se quitter. Petite question, avec une install home séparée, peut-on changer de distro en conservant celui-ci? Oui, la réponse est oui. Aujourd'hui, j'ai Gen 2 et Calculate qui sont sur en dual boot hein, sur le PC et le home il est commun. Alors le home il y a le home commun, il faut faire attention entre Calculate et Gen 2, il n'y a pas trop de problème puisque les logiciels sont exactement dans les mêmes versions. Par contre, si tu partages ton home entre Ubuntu et Fedora par exemple, tu vas risquer d'avoir des soucis. Parce que dans ton home sont stockées les préférences de tes logiciels. Et donc si tu as un logiciel plus récent sur Fedora et moins récent sur Ubuntu, ce qui est en principe le cas, quand tu vas lancer ton système Fedora, hop, tu vas arriver avec ton home, tu vas voir le fond d'écran de Fedora parce que tout est paramétré. Et quand tu vas basculer sur Ubuntu, que tu vas lancer une application mais que sa configuration elle est dans une version plus récente, tu peux avoir des dysfonctionnements. Le paramétrage de ton thème, il est stocké dans tes fichiers de config, dans ton home. Et donc, quand tu vas démarrer, si tu démarres pour la première fois sur Ubuntu, tu vas avoir le thème Yaru qui est paramétré dans ton profil. Et quand tu vas booter sur Fedora, le thème Yaru n'existe pas. Donc, à quoi va ressembler ton interface? On ne sait pas trop. Donc, quand tu n'as... À la limite, tu vois, un dual boot avec un Ubuntu, parce que tu as deux Ubuntu, je ne sais pas pour quelle raison. Oui, pourquoi pas. Mais dès que tu vas avoir deux distributions différentes, il faut faire attention, quoi. Tu vois, c'est ça le problème. Ça va être des problèmes d'affichage, de thèmes, ou alors il faut vraiment avoir les thèmes sur les deux distributions, les mêmes versions des logiciels pour pas être embêté par des préférences qui pourraient être corrompues ou autres. Voilà. Et donc Raphaël, qui m'a, dans le sens, essayé de faire tout pendant 3 mois... Donc là, pour essayer Gen 2 pendant 3 mois, ce que j'ai fait, j'ai installé en dur hein, sur mon poste, à côté. Et là, je fais le test vraiment en dur. Après, quand je teste une distribution, sinon j'essaye d'avoir un autre matériel pour tester, même si c'est pas mon matériel réel. Mais en VM, tu peux tout faire, te rendre compte de l'ergonomie de la distribution, des logiciels qu'il y a dedans. Le seul truc que tu peux pas tester en VM, c'est... le support de ton matériel. À peu près.
sais pas si c'était clair, mais. J'essaie de vous lire en même temps. Arch plus KDE, j'avais essayé avec Fedora, avec GNOME. Ah ouais, non, mais si tu fais un dual boot avec un home commun entre Arch KDE et Fedora avec GNOME, alors certes les logiciels type suite bureautique, tu devrais pas trop avoir de problème. Mais alors Arch KDE et Fedora GNOME, bon, t'as deux environnements de bureau différents, la tronche des thèmes quand tu passes de l'un à l'autre. Ouais, j'ose pas voir le truc, quoi. Calculette, c'est pas très connu en France, vu que c'est une distribution russe faite pour une société russe, de une usine russe d'emballage en carton. Donc c'est une distribution qui a été créée pour la société Calculette. Donc c'est une distribution vraiment très spécifique pour un usage d'entreprise. Donc c'est pas très connu. Le but à l'origine de la distribution, c'était pas de faire un truc super connu comme Ubuntu. Et c'est beaucoup moins accessible qu'une Ubuntu. Dans l'utilisation, la maintenance, ça, t'as pas d'application graphique pour gérer tes logiciels. Enfin, c'est pas un système qui à la base est conçu pour un utilisateur lambda, pour l'administration et la maintenance. Là où Ubuntu, tu peux installer facilement des logiciels avec un truc graphique. Bon, voilà. Donc après, il n'y a pas de publicité, de choses qui sont faites pour Calculate, pour la promouvoir en avant. Si ce n'est des billets dans DistroWatch quand il y a une nouvelle version qui sort, et voilà. Donc vu que c'est quelque chose d'un petit peu spécifique, bah, les gens ne s'y intéressent pas forcément. Il y en a probablement d'autres, hein, des distributions. Il y a peut-être une petite distribution brésilienne qui est dans le même genre et qu'on ne connaît pas parce qu'il n'y a pas de Français qui viennent en parler et elles sortent, elles sont pas visibles, quoi. Mais Calculate, c'est un projet que j'ai adhéré dès le début en 2012, que j'ai trouvé vraiment sympa. Bon voilà. Il y a juste des choix contestables sur le serveur de son. Ça marche pas bien. Je l'ai dit. J'ai dit, c'est de la merde. Mais bon, ils ont voulu garder ça. Voilà. Mais bon, moi, ça fonctionne pas. Voilà. J'ai rencontré des petits soucis. J'avais la Gen 2 en dual boot avec cette calculate. J'avais des soucis avec OBS pour enregistrer du son. Depuis, ça fait 3 mois, je n'ai pas relancé la calculate. Donc, j'ai aucune idée de savoir si les problèmes de son sont réglés. J'ai pas testé. Il faudra un jour que je me chauffe pour essayer de passer sous Linux en desktop. Ouais, c'est cool si t'apprends des trucs. Après, ouais. En VM, franchement, tu peux essayer de t'installer un système Linux en VM, d'installer les applications que tu voudrais utiliser, d'installer tout ce que tu voudrais utiliser. Et puis, voir comment ça marche et après te lancer en vrai, quoi. Si t'as de l'UEFI, en plus, ce sera beaucoup plus facile que l'époque avant où il fallait faire des dual boot avec Windows. Donc voilà. Tu conseilles de s'exercer dans quel techno pour être bon en DevOps ? Je suis pas bon en DevOps. C'est pas du tout mon rayon. Donc je sais même pas par quel bout commencer. Si ce n'est commencer à apprendre Docker, les bases de Docker. Voilà. Pour moi, un DevOps, comme ça, vite fait. Je te dirais Docker, automatisation, Kubernetes. Mais vu que je suis pas expert dans le domaine, c'est pas quelque chose qu'on recherche chez nous parce qu'on déploie pas de la VM tous les 4 matins, parce que je travaille pas pour Amazon ou un grand groupe qui a besoin de faire du déploiement de l'automatisation. Et vu que j'installe un système Linux tous les 5 mois en prod, j'ai pas besoin d'automatisation. Si tu veux, pour moi c'est plus facile d'installer 4 fois par an un système. C'est plus rapide de le faire en partant de zéro que de passer 15 fois plus de temps à mettre en place une solution d'automatisation pour me faire gagner une heure tous les 4 mois. Voilà. Parce que le temps de mettre en place le système d'automatisation, bah, ça m'aura pris plus que 4 heures pour être rentable sur l'année. Enfin, voilà. Bikini Linux. Alors pour trouver des alternatives au logiciel, je ne sais pas si tu connais, j'en avais déjà parlé d'un site, je l'avais parlé en vidéo, mais t'as Alternative Tout, qui est un excellent site
qui te permet d'essayer de trouver une alternative à un logiciel. Par exemple, tu te dis, bon, bah, j'utilise Photoshop. Bon, on sait aujourd'hui que Photoshop, une alternative sous Linux, c'est GIMP, mais tu tapes Photoshop. Voilà, Adobe Photoshop, paf. Et donc, alternative2.net, ici, te dit, ok, c'est bon, donc tu as Photoshop. Et donc, les alternatives à Photoshop, bah, tu as GIMP, voilà, open source, dispo Mac, Windows, Linux, BSD, etc. Ensuite, tu as Affinity Photo, donc tu vois, je ne le connais pas, mais celui-là, il est dispo que pour Windows et Mac. Et puis, il est payant. Ensuite, tu as Krita, tu vois, free open source, dispo sous Linux. Donc ça peut éventuellement t'aider, ici, alternative tout, à trouver une alternative à certains logiciels. J'en ai parlé, je crois que j'en ai parlé à travers une vidéo, et voilà, j'avais voulu vous partager ça parce que j'avais trouvé ça vraiment vraiment sympa. Donc tu vois, Autodesk AutoCAD, à mon avis, le truc libre là, je sais plus comment il s'appelle, FreeCAD, voilà. Bon. Après voilà, ils sont triés par meilleure alternative. Après c'est sûr qu'il y a certains logiciels, ouais, c'est compliqué d'avoir l'équivalent. Dans les logiciels, qu'est-ce qu'on peut avoir? Tu vois, GTA, ouais, super, c'est un jeu. Donc après, tu as des alternatives, ouais, mais sauf que c'est pas GTA, quoi. Voilà, alternative tout, un super site, quoi. Après, c'est vrai que moi, ça fait longtemps que je suis sous Linux, donc j'ai toujours eu des applications sous Linux, eu l'habitude de ça, et à l'époque, bah, y a des applis que j'avais sous Windows et que j'ai acheté et qui fonctionne toujours. Tu vois, par exemple, Nero. Ah bah merde, Nero, il marche plus. Ah bah oui, sous Gentoo, je l'ai pas réinstallé. Faudrait que je réinstalle le RPM. Mais voilà, Nero, c'est un truc que j'ai acheté à l'époque. Il y avait une version Linux. Bon, bah je l'utilise toujours. Et après, avant même d'être sous Linux, j'utilisais beaucoup de logiciels libres. À l'époque, j'utilisais Firefox, j'utilisais VLC. J'avais pas une musicothèque comme aujourd'hui, donc pour lire des fichiers MP3, j'utilisais que VLC. Maintenant, j'utilise Clémentine, qui est quand même 15 000 fois mieux. Mais après, ouais, dans les applis, j'ai 2-3 applis propriétaires, mais qui sont dispo sous Linux. Hein. Tu vois, Steam, c'est propriétaire, mais dispo Linux. AnyDesk, c'est pareil. Nero, c'est pareil. Je sais plus ce que j'utilise d'autre. Bah, Discord, Telegram c'est libre, mais Discord c'est propriétaire. Ouais. Visual Studio Code, ouais, ça fonctionne sous Linux maintenant. Je suis sous Gentoo, ESK, KHLD. Oui, la version Nero Linux, alors elle se commercialise plus aujourd'hui. Mais Nero était une version payante, ouais, qu'on achetait 19,90€. Et pour la petite histoire, j'ai acheté Nero quand j'ai fait un saut, parce que j'ai pas fait que Mandriva, Mageia, Calculate, et maintenant Gentoo. J'ai fait un petit saut sur Fedora, j'ai utilisé un petit moment Fedora en dual boot avec Calculate, le temps de trouver ce qui m'intéressait. Et Fedora, le problème de Fedora, c'est qu'à l'époque, tu ne pouvais pas graver des CD, enfin, je ne pouvais pas graver des CD audio pour ma voiture avec des fichiers MP3. Alors, bien sûr, avec le temps, on apprend que Fedora et les fichiers propriétaires, il faut installer RPM Fusion, etc., etc. Je ne pouvais pas graver des MP3. Et donc, vu que sous Windows XP, j'avais Nero, là, c'était livré avec un scanner ou notre graveur. Bon, bah, j'avais acheté Nero à l'époque. Il y avait la version Linux qui aujourd'hui ne se commercialise plus et qui fonctionnait très bien. J'ai toujours eu l'habitude de graver mes CD avec Nero, mais K3B et Brazero, qui sont respectivement ceux de KDE et de GNOME, ne permettaient pas à l'époque de graver des MP3 en CD audio pour sous Fedora. Voilà. D'où le fait que j'avais acheté Nero. Et que depuis 3 mois, je n'ai pas gravé un CD. Je n'ai pas gravé un CD sur ma Gentoo, donc j'ai pas réinstallé Nero. Je sais même pas si j'ai Brazero là. Brazero, si il y est. Bon, voilà. Mais Brazero fonctionne très bien.
Mais Nero, il est toujours là, et je suis toujours un peu nostalgique de Nero. J'aime bien le petit coup de trompette à la fin, une fois que ça a fini de graver aussi. Voilà. Salut Clément. Voilà. Mais Nero, c'est un RPM là. Donc si on fait RPM-Q1, bon, je peux faire RPM-Q1, j'en ai pas 36 000, tu vois, j'ai que Vivaldi, la version de développeur. Donc j'ai pas installé mon Nero. Data, CD quoi? CD logiciel, Nero. Et puis après, ls étoile rpm. Je dois avoir là, voilà, Nero Linux chez le rpm. Sudo rpm-ivh. Tu vois, l'installer direct. Hop, hop, voilà. Alors, bien sûr, je connais sur Gentoo, hein. Tiret, tiret, no depths. Voilà. C'est pas parce qu'on est sous Gentoo qu'on peut pas installer de rpm. Voilà. Et normalement, mon Nero. Il doit marcher cette fois-ci. Ouais, oh, trop bien. Nero. Et voilà. Facile à hein, installer Nero. On installe en RPM direct. Waouh, génial. Et voilà. Et j'ai mon Nero. Qui fonctionne avec le thème sombre. Puis il est en français aussi, c'est ça qui est bon. Voilà. Donc bon, Nero, c'est quelque chose qui marche bien. Et... Là, je peux te dire que depuis 10 ans, il est amorti. Hein. Mais tu vois, tu peux graver des CD audio, tout quoi. CD, DVD. Et donc, c'est Nero 4, voilà, 2009. Il faudra peut-être que je remette la licence hein, en changeant de système. J'ai peut-être pas la licence. Mais voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire Nero. Voilà, on va se... D'ailleurs, le graveur CD-DVD, il vient, qui est dans ma machine, hein, il vient d'une machine qu'on a balancée au travail. Et puis, il y avait un lecteur graveur DVD dedans. Et hop, j'ai récupéré. On en a plein, des graveurs DVD. J'en ai une pile au travail, des graveurs DVD. Et puis, des HDD 500 Go, 3 pouces et demi, J'en ai un paquet. Voilà, on va se quitter. On va se quitter, c'est pas mal. Hein. On a parlé longtemps. Comme d'hab. À chaque fois, je me dis, oui, je sais pas, j'ai pas grand-chose en raccourci, en idée, je sais pas de quoi on va parler. Puis là, tu vois, on est parti dans un délire de vieux système. Pouf, truc de fou. Voilà. On va se quitter là-dessus. On va se quitter sur ces bonnes paroles. En tout cas, j'espère que le live il vous a plu. Je pense que oui. Hein. Certains sont là depuis le début et sont restés juste au bout. Moi, je vous dis. Alors, je vous dis à quand. Prochain, c'est quoi qui dit? Premier mercredi du mois d'avril. 6 avril. On se donne rendez-vous 6 avril. Et puis entre-temps, il y aura des petites vidéos hein, qui vont arriver. J'ai toujours des idées de sujets, mais comme d'hab, peu de temps pour les préparer. Il y a deux, trois trucs qui sont prêts. Donc voilà. Dès que vous avez la notif, bah, vous pouvez venir jeter un petit coup d'œil. On est plutôt dans l'ordre des vidéos une fois tous les 3-4 jours, plutôt que tous les jours comme je faisais à une période. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo, comme dit Halo. Et non, pas dans 10 ans. Hein. Donc bien sûr, ceux qui ont loupé le début, le replay va arriver dans la foulée. Je vais mettre dans le descriptif du live tous les liens dont on a parlé, des systèmes, là, des nouvelles, Wayland, Xorg et tout ça. Histoire que vous puissiez, c'est mieux, retrouver. Tout ça et un petit coucou à Julien qui était en Polynésie française qui restait discret et Steve qui arrive au moment où on s'en va. Quel dommage, Steve, monsieur Zabix France. Faut que je pense à venir sur le meet-up là qui arrive prochainement. Je suis là donc je devrais pas pouvoir louper tout ça. Donc, ouais, moi je vous dis rendez-vous à lors d'une prochaine vidéo.
On se quitte. Je coupe le stream. Ouais, c'est noté NM Applet Wi-Fi, hein, Samy, pas de problème. En tout cas, ah bah, c'était aujourd'hui le meet-up. Non, merde, j'ai cru que c'était demain. Non. Me dis pas que c'était aujourd'hui, Steve. Je vais attendre qu'il écrive. Et là, il va dire, oui, c'était aujourd'hui. J'étais resté sur jeudi, moi. De toute façon, je coupe le live et je laisse le chat actif encore 5 minutes. On peut échanger rapidement. Dans le live, non, il n'y aura pas de générique. Coin, coin, c'est fini. J'essaye d'être sage en 2022. Hein? Ah merde, c'était aujourd'hui. Bon. J'étais resté, j'avais noté sur. J'avais noté. Jeudi. Quelle bête. De toute façon, j'aurais pas pu regarder dans tous les cas vu que j'étais en live ici. Bon, j'espère que ça s'est bien passé. Je sais ce qu'il me reste à faire. Hein. Bon, allez, jeter un petit coup d'œil sur le replay. Bah, je regarderai le replay demain soir, à la place du live. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à ciao ciao. On peut rester encore une dizaine de petites minutes pour écrire dans le chat. On peut l'avoir, le générique, à télécharger pour l'écouter. Ouais, j'essaierai de mettre ça en ligne. J'essaierai de mettre ça en ligne, je sais pas où, à l'occasion. Je vous mettrai ça. Ne vous inquiétez pas. Allez, sur ce, passez une excellente nuit, bonne soirée, ceux qui ne se couchent pas tout de suite, et à ciao ciao pour une prochaine vidéo.